Merci, mesdames et messieurs, merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Vraiment, l'accueil super encore ce soir. Je vous remercie, vous êtes gentils. Coupe. Vous avez vu l'ambiance? Hein, vous pouvez vous barrer, hein, on n'a pas besoin de vous, hein. On s'en occupe, nous, de l'ambiance. Hein. Regarde, c'est vrai, par exemple, il y a quelques années encore de ça. Hein, regarde, en début de spectacle, tout de suite, tu voulais une standing ovation. Hein. Bah, t'avais intérêt à prévoir des Fenwick. Hein. Alors que de nos jours, t'as vu, tu tournes un bouton. Alors je sais, évidemment, il y en a, ils vont dire, il se fait pas chier. Si, il y en a qui vont dire ça. Il se fait pas chier, il a encore même pas commencé son nouveau spectacle. Hein, et déjà, il se fait applaudir. Dis donc, vous croyez pas que je les ai mérités, moi, les applaudissements? Merci, madame. Vous étiez toute seule, mais c'était sympa. Salaud, les autres. Et alors? Non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que cet été, l'été qu'on vient de passer, hein, pour la plupart d'entre vous, hein, vous, pendant que vous vous pavaniez sur les plages, vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai appris la culture. Attention, quand je dis que j'ai appris la culture, j'ai appris toute la culture, hein, de A à Z. Hein. C'est que la culture, ça s'apprend pas en 15 jours, hein. 3 mois, ça m'a pris, moi, hein, pour... Si, quand on part du CM2, faut compter 3 mois, quand même, hein, pour être... Ah bah oui, bah vous rigolez. Mais en attendant, le résultat, il est là. T'as moi. Ah bah, oui. Avant, moi, j'étais grossier, vulgaire, hein, et maintenant, je me sens beaucoup mieux. D'ailleurs, j'étais pas très éloigné, hein, pour plein de trucs que tu gardes bien. Parce que quand j'ai attaqué la culture, j'ai attaqué par les grands penseurs antiques. C'est Socrate. Hein, parce que Socrate, c'est la base. Hein, c'est... Ah oui, c'est le big boss des penseurs antiques. Hein. Et ben regardez, moi, j'étais sur le cul, hein, que j'ai appris que ce mec-là, Socrate, il a rien écrit du tout. Hein. A pas une ligne. Hein. Il a rien branlé, le Socrate. D'ailleurs, tu vas dans une librairie, tu demandes un bouquin de Socrate, il y en a pas. Pas de cassette, pas de vidéo, rien. Même dans la collection Harlequin, t'en trouveras pas. C'est Platon, après, qui a gratté. C'est un disciple à lui. Mais Socrate, il a rien branlé. D'ailleurs, en général, le philosophe antique, il en fout pas lourd. Hein. Moi, j'ai étudié ça. Philosophe antique, c'est un gars, au départ, déjà, il médite pendant 8 ans. Toi. 8 ans de méditation pure. Hein. Il dit pas un mot. Hein. J'aime autant te dire, les autres autour, ils ont les oreilles dressées. Hein. Ils attendent. Hein. Oui, parce que vers 4 ans et demi, il y a un moment, il fait... Et là, tout le monde dit, attention, il va dire quelque chose. Et puis non, en fait, il remettait juste sa toche, toi, que t'es un peu froissé, toi. Et alors, au bout de 8 ans, seulement, il sort une phrase. Ah, j'aime autant dire, il sort une phrase. Il sort une phrase du genre, un être en tant qu'être, ne pourrait-il pas être autre qu'il n'est? S'il n'explique pas lui-même son être, et là, tous les autres autour, ils disent « Génial !» Putain, on en a pour des siècles à réfléchir là-dessus. Hein? Et c'est vrai qu'il y en a qui se font encore chier avec cette phrase-là. Hein? Bah, déjà, moi, je me suis fait chier rien qu'à l'apprendre, hein, déjà, pour tout dire. Bon, et ben, tout ça, faut dire que Socrate, il m'impressionne pas plus que ça. Hein? Moi, d'ailleurs, le philosophe antique, je peux très bien vous le faire, vous allez voir. Façon moderne, hein. Bien sûr, c'est-à-dire, moi aussi, je vais vous donner une phrase, hein, et vous allez méditer dessus, rigoler entre vous, comme ça, hein. Alors, les 8 ans de méditation d'avant, je vous les fais pas, hein. Non, ça va lasser, hein, honnêtement. En plus, on n'est pas équipé pour rester 8 ans ensemble, hein, tout va bien. Il va falloir qu'ils nous amènent à manger de l'extérieur, ça va faire des miettes de pain partout, donc... Non, et puis dis donc, il y a des gens qui sont mal garés, hein? Ah, bah, dis donc.
Il y a des gens qui ont des enfants. Tu te rends compte? Tu rentres au théâtre, tu laisses un gosse, il a 10 ans. Hein? Tu ressors du théâtre, il a 18 ans, le gosse. Il est là où c'est que t'étais, maman. Il a le pull vert là, le pantalon là, tu vois. Donc vous voyez que c'est pas possible. En plus, je vous connais, hein, les deux, trois premières années, vous allez bien vous entendre, et puis après, il va commencer à y avoir des engueulades, hein. Bah si, parce que les gens, ils ont pas le même boulot, tu vois, l'autre, il est dans l'import-export de mobilettes en banlieue, tu vois. Et t'as lui qui est chirurgien, tu vois, un peu péteux, comme ça, avec le... Non, je dis pas ça pour vous, hein, mais... Non, mais beau garçon. Beau garçon, bien, vous n'êtes pas chirurgien. Non, ça m'aurait arrangé, mais... Non, mais je le voyais bien, chirurgien. Tu sais, le chirurgien dans le bloc opératoire qui est là, bistouri, clé de 12. Épongez-moi, Josiane. Non, le front, Josiane, le front. Hein. Vous n'êtes pas au jeu, hein, ce matin, Josiane. Hein. Bon, donc les 8 ans, je ne les fais pas. Je vais vous faire le philosophe antique. Comme je disais tout à l'heure, hein, donc je vais vous donner une phrase, hein, et vous allez méditer, hein, rigoler ensemble dessus, hein, d'accord, hein. Alors j'ai de la phrase, hein, écoutez bien, la phrase c'est celle-là, c'est « Moi, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma, on nous prend trop pour des cons !» Alors, allez, applaudissez pas, rigolez, allez-y. C'est génial, hein? Bon, moi, tu vois, par exemple, j'aurais fait un sketch de 3 minutes, hein, avec ça, mais je ne vais surtout pas vous imposer mon style, hein, donc je vous laisse rigoler entre nous. Ah, ça me fait rire aussi, hein, forcément. Quand l'idée est forte, hein, au départ, hein, c'est sûr que... Sauf monsieur, là, qui a l'air d'être un peu en rade, là, monsieur. Peut-être je vous répète la phrase, peut-être. Je vais plus voir les films d'horreur au cinéma, on nous prend trop pour des cons. Non, toujours rien. Bon, alors j'ai été obligé d'expliquer pour monsieur, alors. Bon, j'ai pu voir les films d'horreur, bordel. Tant bien qu'on nous prend pour des cons. Bah, je vois un film d'horreur classique, tu sais, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. C'est toujours une bande de jeunes, c'est qui louent une maison isolé du restant du monde à cause de la marée ou je sais pas quoi, toi, déjà un coin où on n'irait pas, nous, déjà, toi, hein. Bon, eux, ils la louent. Ils la louent. En plus, j'ai oublié de vous dire, évidemment, à la maison, il y a eu un carnage dans cette maison il y a 40 ans, dont, manifestement, tout le monde se branle. Hein. Ils ont 20 ans, il y a 6 gonzesses à épater, bon, ils la louent. En plus, même le prix de la location, hein, je m'excuse. Hein. La baraque, c'est toujours un petit château, tu sais, genre 35 pièces. Hein, le prix, 250 francs le week-end. Je m'excuse, ça sent un petit peu la merde, hein, quand même. Hein. Bah, ça fait même pas 10 balles la piole, je veux dire. Enfin, je reviens pas là-dessus. Il la loue. Bon, je vous passe aussi les détails sur le gars au début du film qui les amène en chaloupe. Je vais toujours rigoler, chaloupe. Non, parce que j'ai dit que la maison était isolée, hein, à cause de la marée. Hein. J'ai dit, essayez de noter, hein, aussi les trucs. Bon, et alors donc, le gars au début du film qui les amène en chaloupe, qui normalement devait rester avec eux, hein, et puis qui, bizarrement, repart. Au dernier moment. Au moment où la nuit tombe. Brutalement, d'ailleurs. À 14h30. Et là, vous avez la nuit d'horreur, là, tu vois. Ce que vous avez remarqué, mesdames et messieurs, dans les films d'horreur, ils font tomber la nuit quand ils veulent. Hein. Ah oui, ils sont pas gênés avec ça. Hein. Surtout dans les Dracula. Ah ben, les Dracula, faut pas y aller pour bronzer là-bas, parce que... Les Dracula, c'est simple, le soleil, il se lève à 11h, à midi et demi, il fait nuit. Hein. C'est terminé. Ah oui, sinon, comment tu veux qu'ils les surprennent, hein, le... Enfin, bref, personne tombe de son siège d'étonnement dans le cinéma. Un quart d'heure après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite, hein. Que des morts violentes. C'est des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur partout. Bon, normalement,
il devrait s'installer une espèce de méfiance dans le groupe qui reste, quand même. Penses-tu? Donc, à ce moment-là, je vous rappelle les chiffres, hein, il reste 4 blaireaux, hein, on est bien d'accord. Hein. Et à ce moment-là, le plus trapu des 4, il dit aux 3 autres, il dit, j'ai entendu un bruit au grenier, un bruit à la cave, on va faire 2 groupes de 2. Je suis désolé, non! Personne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts. Hein. Ils font 2 groupes de 2 un autre jour. Hein. C'est vrai qu'il y a des tas de jours où c'est agréable de faire 2 groupes de 2. Hein. Ça, moi, je vois au Monoprix de Neuilly, le jour vers chez moi. On était 4, on a fait 2 aux légumes, 2 aux alcools, on a gagné un quart d'heure. Hein. Mais là, non! Là, on a 8 potes morts, je sais pas si vous en pensez. Normalement, on n'est plus que 4, on se met dos à dos sur la table du salon avec toutes les lampes électriques et on attend. Hein. Et puis là, le caméraman, faudra qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin. Hein. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Hein. Entre parenthèses, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire. Hein. Bah, dis donc, je lui demande pas de faire un gros plan, mais enfin, il pourrait l'avoir en entier au moins une fois quand même, hein. Parce qu'en fait, on sait rien de ce type, hein. C'est ça qui fout les jetons aussi, un petit peu. Hein. Alors, c'est pour ça, moi, à ce moment-là du film, eh ben, moi, je suis désolé, mais moi, je me lève et je me barre. Hein. Et j'aimerais bien que tout le monde se lève et que tout le monde se barre. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Alors, je sais pas ce qui s'est passé à la fin du film, hein. Je vous dis que je me suis barré. J'imagine que les 2 de la cave, ils se sont fait trucider, puis les 2 du grenier, ben, y en a un qui a entendu un bruit dans le jardin, l'autre un bruit dans le garage, et ils ont fait 2 groupes de 1, et puis ils sont morts tous les 2. Tu sais que je te dise, il y aura plus qu'à attendre 40 ans pour qu'il y ait une autre bande de trous du cul qui la reloue, la baraque de merde. Et ça fera un autre carnage. Parce qu'il faut bien faire le numéro 2. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je vais plus voir les films d'horreur. Au cinéma, on nous prend trop pour des cons. Voilà. Alors, tu pouvais pas le faire tout seul, ça? Hein? Les autres nous attendent, maintenant. Je vais vous donner une autre phrase, en espérant que l'autre boucher va être à la hauteur, là. Non, non, lui parlez pas, hein, il a déjà du mal à s'organiser, laissez-le, hein. Lui parlez pas, vous le laissez tranquille, hein. Bon, je vais vous donner une autre phrase, tout le monde est prêt cette fois-ci. Et l'autre phrase, c'est celle-là. C'est « Pour le nuage qui passe, rien ne distingue le poisson volant de la belette. » Là, les deux, ils ont vieilli 4 ans d'un coup. Elle m'en fait rire, la petite fille. C'est les mains, elles ont même pas eu le temps de monter. Elles ont fait... Excusez-moi, hein. C'est tellement drôle. Alors... Là, juste les fesses qui font... Tu vois? Sinon, les mains, elles sont... C'est bien, on a été voir le spectacle de Chuck Darkin. Non, c'était pour finir. C'est pour finir les films d'horreur. Non, ça c'était pour dire que Socrate, il m'impressionne pas plus que ça. Alors, c'est vrai que quand j'ai appris la culture, d'ailleurs, je me suis intéressé à des auteurs vachement plus récents, hein, des philosophes, notamment comme Leibniz.
Par exemple, ça vous dit quelque chose, Leibniz? Karl. Hein, pas trop, non? Karl. Monsieur, il dit, je l'ai peut-être croisé une fois ou deux. Enfin, on n'est pas un type... Non, alors Leibniz, c'est un type super. Et puis lui, il en a écrit des bouquins. C'est pas comme l'autre feignasse de Socrate. Non, lui, il a écrit des bouquins. Et notamment, il a écrit un bouquin sur la nécessité et la fatalité qui est génial. Si tu veux, c'est ce mec-là, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, c'est ce mec-là qui pense que tous les événements sont liés entre eux. J'ai entendu parler de ça. Tu sais, au travers des siècles, géographiquement, que tout, tout ça est un immense puzzle, tu sais, avec pas beaucoup de jamais entendu parler. Attends, moi j'y crois vachement, toi, ça. Oh, bah alors bah, attends, parce que là, évidemment, je vous dis, au travers des siècles et tout, ça vous semble peut-être un peu grand. Mais attention, tu sais que même dans la vie hein, de tous les jours, hein, à 2 mètres, à 3 mètres près, selon que tu ailles là, par exemple, hein, ou là, toi, ça change tout. Hein. Ah, je te jure. Hein. Ah bah, et à 3 mètres près, déjà, tu vois le monde différemment. Tiens, je vais vous donner un exemple. Bah, par exemple, imagine une file de mecs tout nus, là. Hein. Je prends un exemple simple, hein, pour que tout le monde comprenne. Il dit donc qu'il va me faire chier toute la soirée. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ah. Ah, non, je déconne. Alors, non. Bon, non, regarde, je prends un exemple simple. Regarde. Donc, une file de mecs tout nus, t'imagines. Hein? Bon, imagine, t'arrives là, par exemple. Donc, tu les regardes de face. Hein? Tu vas dire, ils sont à la queue leu-leu. Bon, alors, imagine, t'arrives là. Là, tu les regardes de dos. Tu vas dire, non, ils sont en rang d'oignon. Bon, eh ben, mon vieux, tu leur mets une plume dans le cul, ça fait une file indienne, mon vieux. Là, ça tient à rien. Ben, tu vois. Ben, tu vois, hey, tu vois, quand t'as compris ça, eh ben, t'as compris la théorie de Leibniz. Tu vois. Ah, mais attends, même c'est pire que ça, parce que tu sais que... Que t'as bien assimilé la théorie de ce mec-là, il y a même carrément des choses que tu peux plus entendre. Hein. Bah, par exemple, vous avez remarqué, hein, à chaque fois qu'un mec se fait écraser par un camion, hein, il y a toujours un abruti pour dire « Et moi, comme un con, j'y paye un café. Oh, » Faut que je sois con, putain, je m'en veux. Tu te rends compte, j'y paye pas de café. Il passe 2 minutes avant au carrefour et il n'est pas écrasé par le camion. Hein. Je suis con. C'est vrai qu'il est con. Bah oui, il faudra lui dire un jour ou l'autre. Hein. Même Leibniz hein, lui dirait, dis donc, t'es gentil, mon garçon. Mais si tu remontes ces 2 minutes-là, bah faut aussi remonter les 2 minutes d'avant. Hein. Eh bah oui, puis le quart d'heure aussi. Parce qu'un quart d'heure avant, le gars en question, il avait repris du fromage hein, au restaurant. Hein, donc, c'est un petit peu de sa faute aussi. Hein. Bon. Et les parents du gars? Dis donc, les parents, ils sont pas tout blancs dans l'histoire. Hein. Dis donc, la mère, au moment de l'accouchement, elle pouvait pas se retenir? 30 secondes, serrer les cuisses pour sauver son fils? Alors, elle est un petit peu responsable, celle-là aussi. Et le grand-père? Ah, le grand-père, vous allez rigoler. Le grand-père, il est né qu'en 19, à cause de la guerre de 14. Hein. Donc t'imagines, 5 ans de décalage. Hein. Tout ça parce qu'un archiduc a été spavané à l'arrière d'une bagnole, à Sarajevo, encore. Tiens, un archiduc avec son plumeau blanc, là. Vas-y, son plumeau, comment qu'il s'appelait déjà? François Ferdinand. Ouais. Et dis donc, essayez pas de coller à un gars qui a 3 mois de culture derrière lui, hein. Il a même été flingué par un Moser 96, calibre 7,65. Alors, je vais te dire, pas de la culture, ça, hein. Enfin bref, à cause d'un grand nigaud, là-bas, qui a quand même été spavané à l'arrière d'une bagnole dans les Balkans, résultat des courses, il se fait flinguer, la guerre de 14, 10 millions de morts, et puis surtout, le grand-père a été décalé, la mère aussi, et le fils, sous le camion. Et oui, puis, il y a eu aussi les fraises de Grouchy, hein.
J'ai l'impression qu'on les oublie un petit peu vite, hein, les fraises de Grouchy. Hein. Ben, vous voyez qui est Grouchy? Bon, alors, Grouchy. Si, attends, Grouchy. Ah, Grouchy, Bucher, ça. Grouchy, c'est un général de Napoléon. C'est maréchal, même sur la fin de la cavalerie de réserve, exactement, de Napoléon. Et vous allez voir, l'action se passe à Waterloo. Tu vois, l'histoire, comment c'est foutu, comment ça s'enchaîne. Hein? Alors, Napoléon, il est sur une butte avec sa longue vue comme ça, et il attend Grouchy. Hein? Parce que si Grouchy, il vient pas, il va prendre une branlée, Napoléon. Le sait, hein. Ben, il est pas con, hein, Napoléon, hein. Son métier, hein, de faire la guerre, hein. Donc, il attend. Il attend, il dit, merde, qu'est-ce qui branle le Grouchy? Bon. Et mon Grouchy, un peu plus loin, il est en Belgique, tu vois, à l'époque. Il est en train de bouffer, tranquillement. Et alors, au dessert, il y a des fraises qui sont vachement bonnes, hein, d'où les fraises de Grouchy. Hein. Mais me regardez pas comme ça, c'est pas des conneries que je vous raconte. Hein. Regardez, il y a le Muppet Show là-haut. Il y a ça, intellectuel. Attends, c'est pas, vous en avez un autre de l'autre côté qui vient aussi. Puis deux petits en bas. Qui... Non, hey, c'est vrai que c'est un détail historique. Attendez, pourquoi on a paumé à Waterloo, attends, c'est à mourir de rire. C'est-à-dire, entre autres, c'est parce que Grouchy, effectivement, il a bouffé tranquille, il s'est pas pressé. Du coup, il arrive à la bourre à Waterloo, et l'autre, il se retrouve à Sainte-Hélène. Alors que sur ce coup-là, t'agardes bien, t'imagines, hein, on arrive à gagner à Waterloo, imagine. Hein, on bat les Prussiens et les Anglais. Hein. À l'époque, dans la foulée, il n'y a pas de raison qu'on n'envahisse pas l'Autriche. Là, on occupe Vienne. Et puis 100 ans plus tard, ben, il n'y va pas l'archiduc à Sarajevo. Donc il n'y a pas de guerre de 14, pas de décalage. Ah ben là, tu peux payer 5 cafés à ton pote. Tu peux même y dire, tu restes manger ce soir à la maison, même je t'héberge pendant 2 ans chez moi, 2 ans. Quand il va arriver au carrefour, il aura encore 3 ans d'avance sur le camion. Ça devrait suffire, 3 ans. Hein? Ah ouais, c'est vrai, hein? Dis donc, quand ça fait 3 ans que tu guettes un camion comme ça au carrefour, c'est jouable, hein, quand même. Hein? Surtout que s'il est pas trop con, il est pas obligé de venir les premières années, il vient sur la fin. Quoi. Ben oui. Dis donc, au bout de 3 ans, au dernier moment, il peut peut-être faire ça. Hein? Pas tout y faire, ce con aussi. Bon, d'un autre côté, je suis pas d'accord non plus pour qu'on mette tout sur le dos à Grouchy, hein. Pauvre Grouchy. Bah non, à mon avis, comme on est parti là, faut remonter encore beaucoup plus loin, hein. Ah oui, encore plus loin, même là. La Genèse, le paradis terrestre, hein. Pourtant, hein, souvenez-vous, Dieu l'avait bien dit à Adam et Ève, hein. Il avait dit, vous pouvez bouffer tous les fruits du jardin que vous voulez, y compris les fraises belges en question, je m'en fous. Hein. Par contre, je ne veux pas que vous touchiez aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est comme ça qu'ils appelaient les pommiers, à l'époque. Si, ben les conneries, hein, c'est marqué comme ça dans le bouquin, là, l'arbre de la connaissance. Et la F, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle, dès qu'il y a une connerie à faire, elle est là. Hein? La F, mon vieux, le premier serpent qu'elle voit qui passe avec un cajot de pomme sous le bras, hein? Elle en prend une et croque dedans, cette conne. Alors du coup, le bon Dieu, il revient, il est en pétard, il dit « Qu'est-ce que vous avez branlé, bordel ?» Bon, là, je le dis avec mes mots à moi, hein. Ah non, lui, il l'a pas dit comme ça, non. Non, mais quand même, on sent qu'il est en pétard, hein. Il est très, très remonté, hein. D'ailleurs, ça rigole pas, il prend des sanctions, hein. Chope la Ève, il dit « Toi, tu seras la copine du boucher. » Non, lui dit. Non, il chope la F. Lui dit, toi, tu accoucheras dans la douleur. Il chope le Adam. Lui dit, toi, tu seras chauve à 45 ans. Non, lui dit. Non, lui dit. Il chope le Adam. «
Si c'est plus pratique quand t'as des poux, par exemple. Parce que, toi, comme il, tu tapes là, le poux, il dit, oh là, ça tape, on va passer de... Et quand il passe à découvert, ta, là, tu les chopes et t'es... Tu vois pas, là, c'est... Ah oui, le poux, là, c'est... Non, sérieusement, il n'y avait pas de chauve à l'époque. C'est vachement vieux. Ça n'existait pas encore, les chauves. Alors, il chope la dent. Non, plus sérieusement, il lui dit, toi, tu seras obligé de gratter toute ta vie pour gagner le pain de la famille. D'ailleurs, ce qu'il n'avait pas dit à Ève, c'est que plus tard, non seulement elle continuerait à accoucher dans la douleur, mais qu'elle gagnerait le pain aussi, finalement. Hein, Et elle s'est bien fait niquer, ce coup-là. Là, il faut reconnaître. Ben, allez. C'est vrai que nous, on accouche toujours pas, et puis elle gratte, hein, quand même, maintenant. Hein. Mais ça leur fait les pieds, c'est pas méchant. Alors... Non, mais... Moi, je déconne. Mais quand même, ça leur fait un peu de... Non, je déconne. Mais quand même. Alors... J'ai vu les garçons, ils font... Les filles... Allez-y, les filles. Là, on leur fait faire ce qu'on veut. Alors, donc... Là, je me suis fait des copines en 3 minutes, t'as vu? Pas de problème. Alors donc, non, ce que je voulais dire à propos des femmes, c'est quand même, de nos jours, elles souffrent quand même beaucoup moins. Hein. Donc, en échange, elles peuvent gratter un petit peu, c'est pas mal. Alors donc... Non, ça déconne. Alors après, parce qu'il est toujours en pétard, hein, le bon Dieu. Hein. Donc c'est pas fini, il se tourne vers le serpent. Hein, et là, il est sans pitié avec le serpent. Hein. Il dit, toi! Il dit, toi, je te coupe les deux bras, les deux jambes. Parce que vous souvenez que le serpent, il était arrivé comme ça avec le cajot, hein, tout à l'heure. Hein. Donc il s'y attendait pas, le serpent, mon vieux. Il est là. Il dit, je te coupe les deux bras, les deux jambes, et tu seras obligé de ramper devant les hommes. Et puis après, ben, qu'est-ce que je te dis? Enchaînement d'action. Tu vois bien que c'est Leibniz qui avait raison, tout à l'heure. Eh ben oui, ça colle maintenant. Regarde, t'accoucheras de la douleur. Ben, on l'a vu pour la femme. Tout à l'heure, serrer les cuisses, 30 secondes de plus, bah, problème. Puis après, l'escalade, Waterloo, Grouchy, l'archiduc, le camion. Quoi. Si bien que le café de ton pote, du départ, il a rien à voir. Quoi. C'est Ève, la responsable. Salut! Alors vous applaudissez pas pendant les noirs. T'as vu ça, ma petite chaud? Les deux, là. Oui, ben, je surveille ça, je signale. Ils sont pas chiés, les autres vont le faire et... Ils nous voient pas. Non, le sang gêne. Les deux, là, ils disaient, il va revenir. Ils étaient là, ils m'attendaient, il va revenir. C'est sûr, il revient. L'autre me pète chaud, il dit, tout à l'heure, il va grimper sur le truc. Bon, alors, vous avez vu, là, mesdames et messieurs, mine de rien, spectacle culturel, hein, on a quand même fait Socrate, Leibniz, on est même remonté jusqu'à la Genèse, et vous avez vu, on s'est pas fait chier. Hein. Bon, alors, attention, je me suis pas tout le temps amusé, hein, je vous cache pas, il y a des bouquins... j'ai pris de la vitamine C pour pas m'endormir dessus. Hein, c'est notamment que j'ai étudié le droit, tu sais, les lois. Parce que ça, les lois, c'est chiant, c'est écrit tout petit. Et alors, partout, ils nous mettent « Nul n'est censé ignorer la loi ». Enfin, alors là, ils sont gentils, mais dis donc, t'as intérêt à te tenir au courant, parce que... Ah bah oui, parce que je sais pas si vous savez ça, mais entre les nouvelles lois, les amendements et tout le bazar, rien qu'en France, hein, il y en a déjà au moins une cinquantaine par jour, tu vois. Il faudrait vraiment faire que ça. Alors qu'au tout début des lois, c'était vachement plus simple. Au tout début, il y avait 10 lois, 10 commandements. Hein. J'ai attaqué du tout début, moi, pour avoir une vue d'ensemble, hein, toi, du truc. Hein. J'ai travaillé quand même. Hein. Bon. Et ben, c'est vrai, au début, il y avait 10 lois, 10 commandements, 2 pages.
En granit massif, hein. Ah oui, les vendeurs de journaux, c'était pas des PD à l'époque, hein. C'était des gars qui... Mais je vous remets un journal, monsieur Durand. Enfin, c'était des tables en pierre, hein, donc ça tenait le coup, toi. C'était pas de l'IKEA, toi. C'était des trucs qui... C'était adapté. Ben si, tu sais, c'était l'époque du vieux, là. Le vieux, là. Qui ressemble à Charlton Heston. Moïse, oui, Moïse. Oui, c'est ça. Hein? Ben oui, parce qu'on imagine pas qu'il ait une autre gueule, hein. Moïse, parce qu'il y a que Charlton Heston qui l'a joué, hein, dis-moi. Hein? Ben oui, ça coûte tellement de pognon, hein, ce film-là. Bon, et alors, c'est vrai, là, il y avait 10 lois, 10 commandements, 2 pages, tu pouvais les apprendre en 5 minutes, et ça faisait la rue Michel. Vous connaissez cette expression? Ça faisait la rue Michel. Non, ça déconnait. Vous connaissez pas? Oh, écoute, c'est drôle. Oui, il y en a qui connaissent, quand même. Bon. Mais, j'explique, attends. Pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer. C'est une expression qui est typiquement parisienne. Hein. C'est rigolo, ça, parce que je me suis renseigné. Ça vient du nom d'une rue qui existe toujours, hein, vers Rambuteau, dans le 3e, qui s'appelle la rue Michel-Lecomte, pas très loin d'ici. Hein. Et alors, il y a eu une grande mode, il y a une 30aine d'années de ça, à Paris, les Parisiens, au lieu de dire « ça fait le compte », ben, ils disaient « ça fait la rue Michel ». Tout le monde s'en branle de ça, hein. Oui, ben, vous vous en branlez peut-être, hein, mais je vous rappelle que le général de Gaulle lui-même utilisait très souvent cette expression. Souvent, il disait « ça fera la rue Michel ». Il s'en branle toujours. Alors, bon, si vous voulez, avec 10 commandements, ça faisait l'affaire. Vous connaissez « ça faisait l'affaire » ? Alors, « ça faisait l'affaire », ça vient de... Non, mais c'est vrai qu'on pouvait les apprendre en 5 minutes. C'est vrai que des milliers d'années après, bon, on s'en souvient par cœur. Moi, je m'en souviens de tête. Ça avait l'avantage d'être vachement simple. Hein. Par exemple, « tu ne tueras pas ». Tu peux pas plus simple, 4 mots. Hein. « Tu ne tueras pas ». D'ailleurs, ça, tu vois, faudrait le rappeler en ce moment aux excités de la calotte ou du voile. Faudrait leur redire à eux de temps en temps, tu vois. Parce que... Non, applaudissez pas. On va tous être condamnés à mort. Non, laissez, je vais le faire. Non. Mais c'est vrai, je veux dire, que tu mets une bombe dans un magasin, dans le métro ou dans la rue, ça tue des gens. C'est pas joli, faut pas le faire. C'est caca. Oh, ch'tu. Pouah. Pas glope. Parce que j'ai lu plein de BD aussi, hein, des vieilles BD de... Tu sais, Pif le chien, par exemple. Tu te souviens, ma petite chose, Pif le chien? Tu sais, il y a Pif le chien, il y a le chat Hercule, et puis il y a le petit Pifou. Petit Pifou. Tu sais, quand il aime bien, il fait glop, 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 glop. Et quand il aime pas, il fait pas glop, pas glop. Hein? Non? Tu sais, quand il crache, il fait « Ah, ch'tu !» Là, il boit un truc qui est pas bon. Pouah! Hein? Marc, c'est des vieilles BD, c'est pas méchant. Hein? Ça prouve que j'ai un public jeune. Hein? Bon. Ben tiens, regarde, il y en a 2. Des commandements, hein, que tu peux apprendre en même temps. C'est « Tu ne commettras pas l'adultère et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Hein? » 2 commandements sur le cul. Hein? Déjà, ils serraient les boulons à l'époque, hein, toi. Alors, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si t'es marié, tu tromperas pas ta femme. Hein? Et puis, marié ou pas, tu convoiteras pas la femme de ton prochain. Et... je sais ce qui vous fait rigoler, là. Je suis pas un con, hein. Non, ce qui vous fait rigoler, là, en fait, c'est que... ce commandement-là, on a le droit de regarder, si tu veux, mais on n'a pas le droit de convoiter. C'est-à-dire, par exemple, t'es avec un couple d'amis sur la plage l'été, tu vois. Et là, donc, tu regardes bien la femme de ton copain, tu vois. Tu regardes bien le cul, les nichons, tu vois, tout ça. D'un coup, l'autre dit, dis donc, tu serais pas en train de convoiter ma femme, là? Et, non, je regarde. Ah bon, tu m'as fait peur, putain. J'ai cru que tu la convoitais, dis donc. Et là, imagine le mec, il se pointe sur la scène du Crazy Horse Saloon, il dit, stop!
Ceux qui regardent, vous pouvez rester, ceux qui convoitent dehors, hein? Bande de dégueulasses. Alors tiens, il y en a un autre. Commandement qui est en quatre mots. Celui-là aussi, c'est « tu ne voleras pas ». Hein, là aussi, tu peux pas plus simple. Ça veut dire, par exemple, si un jour, tu veux aller plus vite d'Argenteuil à Sarcelles, hein, eh ben la mobilette, tu l'achètes, s'il te plaît. Tu la gaules pas à chaque fois, quoi. Hein? Alors, évidemment, je sais, là, on va me dire, un commandement comme ça aussi, ça peut facilement se contourner. Hein? Et c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, parce qu'il y a des gens, d'ailleurs, quand je dis des gens, c'est des gens bonne famille, grandes écoles, ministres et tout. Alors eux, ils ont trouvé le truc. Eux, ils veulent pas, ils obligent juste l'autre à donner. Quoi? Ça veut dire, c'est genre, si tu fais pas des travaux chez moi, t'as pas le chantier du viaduc, par exemple. Hein? Et c'est vrai que le gars avec son viaduc, il est pas volé. Hein? Bon, les autres entrepreneurs, ils gueulent. Bah, ils avaient qu'à la creuser, la piscine, hein? Ils sont marrants, eux aussi. Bah alors, remarque, je suis méchant avec les hommes politiques, hein? Parce que c'est vrai, il y en a qui sont bien aussi, puis même, ils sont très pointilleux quelquefois, question vol, donc faut le souligner aussi. Si. Il y a eu, tiens, je vais vous citer un exemple, tu vas voir où ils ont été bien, hein, c'est le moment, tu sais, au moment du financement des partis, des campagnes, tout ça, c'est quand les hommes politiques, ils se sont aperçus qu'ils prenaient un petit peu de l'argent sous la table, hein, enfin, un petit peu, beaucoup, même complètement tout, hein, d'ailleurs, hein, c'est... Ah bon, on prend tout? Oui, oui, j'ai l'impression, hein, alors, non, bon, vous avez vu, là, ils ont été très sévères avec eux-mêmes. Ils ont dit, ah, oui, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, on s'est comportés comme des truands. Enfin, ils nous ont dit, il n'y avait pas de loi avant, hein. Donc, nous, on pensait que c'était mieux de le gauler, tu vois, le... Ça savait pas, nous, tu vois. Bon, et après, ils ont dit, maintenant, les juges veulent plus de ça. En plus, tout le monde est au courant, maintenant. Ça la fout hyper mal. Alors, ils ont dit, ce qu'on va faire, qui est plus honnête, à partir de maintenant... Le pognon, vous allez nous le filer directement. Ça veut dire, sur vos impôts, on va s'allouer une somme à chacun. Hein? C'est quand même plus honnête. Hein? Bah, si vous, grosso modo, ça revient à dire, bah, on sait que vous piquez à l'étalage, donc à partir de maintenant, vous bougerez plus de chez vous, on vous amènera un cajot tous les lundis. Ah! Là, ils seront bien punis comme ça. Et c'est rigolo, parce que regarde, à l'Assemblée, il y a des lois de gauche, il y a des lois de droite, hein, tout le monde sait ça, c'est toujours la guéguerre. Hein. Eh bien, là, mon vieux, en voilà une qui a été votée des deux côtés, quoi. À gauche comme à droite. Je me demande si c'est pas ça qu'on appelle la loi du milieu. Hein? Bon, eh bien là, je suis content. Mesdames et messieurs, je suis content pour deux trucs. Premier truc, je suis content parce que je suis en train de vous faire mon nouveau spectacle, qui est un vrai... Nouveau spectacle à 100% tout neuf, comme c'est marqué sur l'affiche. Ça marche du feu de Dieu depuis le 24 août, là, où on a démarré. C'est plein à craquer, un bouche à oreille d'enfer. On est d'ailleurs une des meilleures recettes de Paris, tu vois. Non, c'est parce que je suis content, ça. C'est tout, c'est pas. C'est un... Et donc. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Parce qu'en fait, vous connaissez presque rien de ce sketch. J'ai entendu, bah oui, j'ai fait 2-3 sketchs en promo, comme le spectacle, vous connaissez pas, vous êtes venus sur la confiance, ça me touche beaucoup, très nombreux, et je vous remercie de tout mon cœur. Hein? Et le deuxième truc, je suis content parce que ça marche, c'est inespéré. Attends, je veux dire, c'était pas gagné, hein. On est con, je vous fais la philosophie, ça vous fait rigoler, je vous fais l'histoire, pareil, le droit, à l'instant. Le droit, c'est chiant comme tout, normalement. Hein? Et là, on rigole à tel point qu'il y en a 2-3, là, dans le fond, ils se disent, ça se trouve, il va même pas nous parler de cul, cette fois-ci. Et nous, on a payé que pour ça, et il va pas... Bah, ben, c'est pas impossible que j'en parle pas. Si vous voulez, moi, depuis que j'ai étudié, eh ben, il me semble qu'il faut quand même mieux être un gentleman, même un poil cultivé, hein. Quand même qu'une grosse brute sans principe, quand même. C'est vrai, d'ailleurs, à toutes les époques, hein, y a eu des mecs cultivés et des mecs vulgaires. Ça, c'est rigolo aussi. Hein. Tu peux remonter au début des temps. Écoute, les hommes des cavernes, les hommes préhistoriques, on ne peut pas remonter beaucoup plus loin. Et ben déjà, à cette époque-là, il y avait des mecs cultivés, des mecs vulgaires. Hein. Bah, souvenez-vous,
La maîtresse, elle nous disait bien dans les petites classes, à l'époque du silex, par exemple, la pierre, nous disait, elle était grossièrement taillée. Et c'est vrai. L'homme préhistorique, il prenait le silex comme ça, il faisait « Enculé, le silex de merde! Est-ce que tu vas te tailler ?» Hein? Très grossièrement taillé. Hein? Et alors après, très... Non mais attendez, allez. Et très longtemps après, il y a eu l'époque de la pierre polie. Alors là, rien à voir. Là l'homme préhistorique, il arrivait vers la pierre, il disait « Bonjour, madame la pierre. Sans vous déranger, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps en ce moment. Est-ce que vous pourriez vous occuper de mon tranchant ?» Hein, tout de suite, ça avait une autre gueule. Et à toutes, je dis, toutes les époques, regarde, beaucoup plus près de nous, à l'époque des rois. Là aussi, hein, je me suis régalé, j'ai appris des détails croustillants et authentiques hein, de l'histoire. À l'époque des rois, il y avait des mecs vulgaires, mais il y avait des gentlemen. Hein. Et les mecs, par exemple, pour courtiser une comtesse hein, ou une dame de l'époque, dans certains cas, ils n'hésitaient pas à faire construire un hôtel particulier à 50 bornes de Versailles avec 40 domestiques et tout le bazar. Hein. Là aussi, ça avait de la gueule. Hein. Alors que c'est vrai que de nos jours, à la sortie du bal, ça serait plutôt « si tu me suces pas, moi et mes trois potes, tu rentres à pied ». C'est vrai que ça va un petit peu plus vite maintenant. Et ben oui, ben vous voyez, ça, c'est un manque de culture, ça. C'est tout ce que c'est, ça. Ben alors, qu'est-ce qui l'empêche, le gars, de dire à la fille « Suce-moi, moi et mes trois potes, s'il te plaît. Hein? » Et on te raccompagne en RCSTS. Là aussi, ça a de la gueule. Mais c'est vrai, moi, je le dis toujours. Hein? Pas cette phrase-là. Hein? Ça prête à la confusion. Non, mais c'est vrai, mais je dis toujours, la culture, il suffit de se dire que ça coûte rien et que ça peut rapporter gros. C'est vrai, la culture, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. C'est marrant même au niveau du slogan, hein, parce que ça, écoute, c'est exactement l'inverse des jeux auxquels tout le monde joue, tu sais, comme le loto, par exemple. Parce que j'espère que vous êtes conscients quand même d'un truc, hein, c'est qu'au loto, imagine, il y aurait 800 personnes qui gagneraient 10 000 balles, par exemple. Personne ne jouerait à ce jeu-là. Hein. Par contre, là, il y a un blaireau qui gagne 800 briques et tout le monde joue. C'est-à-dire, moins t'as de chance, plus tu joues. C'est infernal, ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. D'ailleurs, le tiercé, ils étaient obligés de s'y mettre. Hein, parce qu'ils ne jouaient plus les blaireaux au tiercé. Ça ne gagnait plus assez. Ils gagnaient 1000 balles, 2000 balles. Donc, ils ont été obligés de faire le quartet, quartet plus, quintet. On est au quintet plus maintenant. Quoi. Donc, bientôt, il y aura 6T, 7T, octet, 9T, 10T. Bientôt, il faudra avoir tous les chevaux dans l'ordre. Et puis, connaître l'arbre généalogique du jockey qui a gagné, plus la date du dernier rapport sexuel de l'entraîneur. Quoi. Sinon, tu ne l'auras pas le tiercé. Non, mais c'est vrai, attendez, moi, je vous dis ça, hein, c'est en toute amitié, hein. Moi, ce que je dis, c'est qu'il me semble qu'il faut quand même mieux avoir un bon bagage culturel hein, que d'espérer un jour embarquer la valise RTL. Hein. Tiens, la valise RTL, alors, voilà une honte, hein, qui dure depuis 25 ans, la valise RTL, hein. Oh, c'est dégueulasse, hein, la valise RTL, hein. RTL, tous les matins, ils appellent quelqu'un pour y expliquer qu'il a paumé 50 000 balles. C'est dégueulasse, je vais vous la faire, la valise RTL, vous allez mieux comprendre. Alors, c'est Fabrice, tous les matins, il appelle quelqu'un au téléphone. Et là, j'appelle madame Chombier dans le Vercors. C'est qui, madame Chombier, deuxième sonnerie. Ah, elle est partie faire pipi, madame Chombier. Et alors, troisième et dernière sonnerie pour madame Chombier. Bonjour, madame Chombier. Madame Chombier, c'est Fabrice de RTL, là. Madame Chombier, est-ce que vous pourriez me donner le montant de la valise RTL. Mme Chombier a fait « Oh, que dommage !» J'écoutais à l'instant, c'est 47 601, et puis j'ai été obligé de m'absenter 5 minutes. « Bah oui, bah faut écouter RTL, hein, Mme Chombier !» Elle a dit « J'écoutais, je lui dis, c'est 47 000. »« Bah oui, mais on en a rajouté depuis, Mme Chombier. »« Oh, c'est dommage, je suis pas absenté longtemps, hein. Juste 5 minutes, téléphoner à mon mari qui est à l'hôpital, justement, qui a un cancer de l'estomac. »
Et puis, qui est dans la même chambre que mon petit garçon de 8 ans à qui on a coupé les deux jambes ce matin, donc on aurait bien eu besoin de cet argent. Oui, mais vous écoutez pas RTL aussi, Madame Chambier. Il dit, si, je vous dis, j'écoutais. Bon, alors, il dit, Madame Chambier, alors, essayez de me donner un chiffre, vous êtes pas loin. Madame Chambier a fait, bon, ben, 47 822. Et vous avez dit combien, Madame Chambier? 47 822. Vous avez dit 47 822? Oui. Oh, quel dommage, Madame Chambier! Oh, c'est 47 828! Oh, à 6 francs près! Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Vous avez déjà entendu Fabrice dire, oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. C'est ballot. Alors donc, Madame Chambier, je vous rappelle la somme que vous avez perdue, Madame Chambier. Donc 47 828 francs. Allez, bonne journée, Madame Chambier. Là. Dégueulasse. Eh mais, vous savez ce qui m'énerve là-dedans, hein? C'est que c'est des gens, ils s'étaient inscrits nulle part, tu vois? Ils voulaient jouer à rien. C'est des gens, ils voulaient qu'on les laisse. Ben, on les appelle quand même pour leur expliquer qu'ils ont paumé 50 000 balles. T'imagines le gars qui se dit, moi je suis un poissard, il m'arrive que des merdes, de toute façon à chaque fois, bah là il est fixé, là il est sûr. Là. Sans compter les désordres dans les couples, tu te rends compte? T'imagines en 25 ans de temps, les déchirures dans les couples, bordel, le nombre de bonhommes. Par exemple, au boulot, le mec, le matin, il a entendu sa femme se planter à la valise, le matin. Donc il rentre du boulot le soir, il est bien remonté, toi. Il ouvre là-bas, il était vraiment une grosse truie violette, toi, hein? Alors, madame, elle a rien à branler de la journée, elle paume 50 000 balles! Hein, on a le garage à refaire, madame, elle paume 50 000 balles! Ouais. Allez. Excuse de m'énerver, hein, là. C'est vrai, l'autre, elle avait rien à branler de la journée. Là. Et lui, il avait besoin pour le garage. Ça l'arrangeait bien, les 50 000 balles. Mais il y a pire encore, hein. T'as le mec, il est au volant de sa bagnole, il écoute RTL tous les matins. Il fait comme RTL y a dit depuis 25 ans. Et là, il écoute. Ah, d'ailleurs, il a un petit calepin qui est collé sur le tableau de bord avec un petit fil et un crayon. Il note au franc près. Et alors, chez lui, il a trois cartons comme ça qui sont remplis de petits calepins. Au cas où on l'interrogerait sur une valise d'il y a 4 ans, il la connaît. Il sait, vendredi 22, en 75, elle était à... Et puis d'un coup, il entend qu'on l'appelle. Chez lui. Seulement, il n'est pas chez lui. Donc, il peut s'ouvrir les veines aussi, celui-là. Si tu veux, la valise RTL, il faut écouter de chez toi. À côté du téléphone. Il plaisante pas chez RTL. De son record. Ça sent que je suis remonté, là. Non, je m'excuse de m'énerver. Encore, regarde, on est à la fin de la semaine, on est bien. On est là pour se détendre et tout. Puis moi, je me... Bon, si, je me suis énervé. Je me revois encore en train de faire. Ça se trouve, j'ai des petites queues partout, mais... J'en ai encore, là. C'est bon? C'est bon, ça va? C'est sûr, hein? Vas-y, t'es gentil. C'est pas comme l'autre, là. Donc... Non, je disais, je m'excuse de m'énerver, d'autant plus que j'imagine que le gars qui a inventé la valise RTL, c'est sûrement un gentil garçon, hein. Au départ, bah oui, il y a un gars qui est venu le voir, il a dit, tiens, invente-nous un jeu, même limite régulier, on s'en fout, mais pour que les gens soient obligés d'écouter sous peine de paumer 50 000 balles, et puis lui, il l'a fait, hein. Je veux dire, ça suffit pas d'être gentil, hein? Ça suffit pas.
D'ailleurs, je dis toujours, je me fais foutre de ma gueule par tous mes amis, d'ailleurs, quand je dis ça. Ils rigolent avec ça, mais je maintiens. Je leur dis tout le temps, vous savez, on n'est pas à l'abri de la gentillesse des gens. La gentillesse, c'est terrible, hein. Tu sais, la gentillesse, des fois, c'est pire que la vraie connerie. Toi. Oui, parce que la vraie connerie, au moins, elle est reposante. Hein? Si, elle est hypnotique. Hein? C'est pour ça qu'elle repose, d'ailleurs. Toi. Si, la connerie est hypnotique. Hein? Eh ben, me regardez pas comme ça, dis donc. Un peu de respect, hein, quand même. Mais c'est vrai, la connerie est hypnotique, je vais vous le prouver. Alors, tous autant que vous êtes, hein, là, hein. Ne me dites pas qu'on ne s'est pas tous retrouvés un jour ou l'autre dans la banquette, devant la télé, comme ça, à regarder un truc complètement con. Toi. Et tu vas jusqu'au bout. Toi. Et, ah non, c'est trop con. Avec la baffe qui coule comme ça. Tu vas jusqu'au bout, tu dis, faut que je sache. Ça vous l'a déjà fait. Ah, moi, je me suis fait baiser encore il n'y a pas longtemps. Et ah, pourtant, j'ai le câble à la maison, on a 40 chaînes maintenant avec le câble. Donc, j'étais là, j'étais en train de zapper, à mort. D'un coup, je tombe sur le club Dorothée. Mais attends, je tombe sur un noyau dur, toi, concentré de tomates, toi, le trou noir, le triangle des Bermudes, toi, l'œil des cyclones, je tombe sur un épisode des Musclés. La bave. Là, quand t'es devant le gouffre de la connerie, toi, ça fout le vertige, hein. Dis donc, un gars qui est pas habitué, il peut avoir un malaise, hein. Ah bah, c'est un gouffre, tu jettes une pièce dedans. Tu vas en vacances 3 semaines au Maroc, tu reviens. T'as toujours pas touché le fond, toi. Ah, je sais, évidemment. Ils vont me dire, mais de toute façon, les musclés, s'ils se mettaient à la culture, ça changerait rien. Eh ben si, mesdames et messieurs, justement, ça changerait tout. J'ai vu le froid que ça a acheté, là. Eh, ça changerait tout, vous savez pourquoi? Mesdames et messieurs, parce que la culture, c'est ça qui donne de l'imagination. Bon sang, on le voit bien, quand tu lis une œuvre, j'ai il y en a un gros qui est parti. Non, tu l'as pas pris, il est tombé là. Ça se garde pas en plus, hein, donc il faut pas de regrets, toi. Ça. Alors, on le voit. Non, je disais, on le voit bien. Quand par exemple, tu lis une œuvre géniale, comme Les Misérables de Victor Hugo, par exemple, hein, parce que je voudrais qu'on parle un peu de littérature, hein, quand même. Non, parce que là, avec les musclés, on était en train de se... je vous rappelle que ce que j'ai appris en 3 mois, j'essaye de vous l'apprendre en 2 heures, hein, donc il faudrait pas trop traîner. Bon, ben regarde, Victor Hugo, s'il a des rues à lui, des avenues, des places, si c'est le top de la culture, on peut dire chez nous, Victor Hugo, hein, ben c'est précisément parce qu'il avait de l'imagination, toi, une imagination extraordinaire, Victor Hugo, hein. Attends, les musclés à côté, c'est l'encéphalogramme de la grenouille, toi. C'est le vertige du bas, toi. Et Victor Hugo, c'est le vertige du haut, toi. Attends. Et tu sais, moi, j'étais con, hein, je savais pas, mais Victor Hugo, en plus de l'imagination, la puissance de travail qu'il avait, ce mec-là, c'est que l'œuvre complète de Victor Hugo, c'est 53 volumes. Il n'a pas écrit 4 pages, 53 volumes, t'imagines, la puissance. Avec Balzac, là, les deux, là, ils sont en pole position. C'est des gars qui grattaient du matin jusqu'au soir, grattaient. Beaucoup d'admiration pour Victor Hugo, hein. Bah attends, tu sais que Victor Hugo, c'est quand même un gars qui écrivait d'une main Les Misérables, de l'autre La Légende des Siècles, hein, tout en regardant la mer et en niquant la bonne, hein, quand même. Hein, ça force le respect, hein. Dis donc, là, t'as envie de dire bonjour Victor, hein.
Et alors, c'est vrai, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que niquer en travaillant, ça stimule le... D'ailleurs, en langage poétique, ça s'appelle taquiner les muses. Et non pas t'as niqué les muses, comme on dit. Un coup qui n'a rien à voir, hein, bien sûr. Non, 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 taquiner les muses. D'ailleurs, il y a des exemples célèbres. Hein. Regarde, quand tu écoutes une mazurka de Chopin, hein, si t'écoutes bien, hein, si t'as l'oreille fine, bah, par moment, t'imagines bien George Sand sous le piano. Hein, t'écoutes bien. Par contre, Beethoven, lui, Beethoven, il composait tout seul. D'ailleurs, il a fini sourdingue, hein, c'est bien la preuve que... Là, il n'y a pas de hasard. Alors, bon, mais lui... Mais attends, Victor Hugo. Victor Hugo, s'il en a vendu comme ça, un paquet, des misères partout, hein, je veux dire, dans le monde entier, pas qu'en France, hein. C'est parce que c'est une dame qui a pris un peu de retard, et alors... Les gueules des trucs d'avant, tout le monde n'a pas le même braquet, alors elle mouline un peu plus, donc elle a pris un peu de... Pour ça, je m'arrête de temps en temps pour que les gens y remontent dans le bus, mais là, elle est accrochée au pare-choc, et puis elle n'arrive pas du tout à... Ah. Non, je disais... Non, je disais, Victor Hugo! Hein? Il y a un spectacle à faire, comique! Qu'il engueule tout le monde. Non, Victor Hugo, s'il en a vendu que ça des misérables dans le monde entier, je disais, hein, c'est parce que c'est un roman au niveau de l'imagination qui est extraordinaire. Les misérables, tu te rends compte? C'est le roman, quoi. Tu ouvres, au bout de deux pages, tu tombes sur le héros Jean Valjean, hein, d'entrée, qui prend 4 ans de bagne. Hein, pour avoir volé un pain. Hein. Tu vois, 4 ans, petit rototo, là, t'as vu? Bah, si j'ai un petit rototo, je le dis, hein. Ça peut arriver, hein. Plus, il est là depuis le début, il attend, il est là. Donc là, je l'ai laissé barrer, on est mieux. Mais tant pis, qu'il s'en aille, et puis c'est tout. Si vous en avez, vous pouvez en faire, hein, y a pas de problème. Donc, je dis. Je comprends pas, j'ai mangé plus tôt, pourtant... Moi, j'ai mangé plus la bière. J'ai mangé plus tôt. Non, pas le chien, hein. Mais... T'as mangé plus tôt. C'est dégueulasse, les gosses. Mangerai Mickey demain, et puis... Parce que là, plutôt, ça me fait des petits rototos. Non, sérieux, Victor Hugo, non. Victor Hugo. Victor Hugo, il est... On a un petit chat, d'accord. Pareil, tu le changes de trou, tu ravales. Et puis... Donc j'étais Victor... Vous avez changé les piles avant de venir, non? Et puis ça sort les nerfs. Ah, sérieux, donc Victor Hugo, je disais, tu ouvres le bouquin, je tombe sur Jean Valjean qui prend... Et qui peut plus les raconter, les misérables. Jean Valjean, non, c'est vrai, il prend 4 ans de bagne pour avoir volé un pain. Toi, l'imagination, déjà, Victor Hugo, 4 ans pour un pain. C'est pas les musclés qui auraient trouvé un truc comme ça, je te le dis, hein. Oui, bah c'est vrai, il faut reconnaître que de nos jours, hein, pour prendre 4 ans, il faut vraiment dévaliser une grande surface entièrement, violer toutes les caissières et sodomiser le patron, sinon tu les as pas, les 4 ans, faut être honnête. Hein. Hein, j'espère que Victor, il m'en voudra pas. Mais c'est vrai que si d'entrée, il nous colle le pain à 4 ans, dis donc, ça met la barre vachement haut, hein. Ben oui, ça décale tout, après. Ah ben, ça te met le sac de pommes de terre à 8 ans, et puis...
la choucroute garnie perpète à ce moment-là. Non, ça rigolait pas à l'époque, hein. À l'époque, je suppose que tu disais merde à un flic dans la rue, hein. T'étais écartelé, émasculé et décapité, hein. Oui, ça, c'était la peine maximum que t'avais fait une grosse connerie. Tu te rends compte, il n'y avait rien pour les dents, pas d'antibiotiques et tout, là. À l'époque, les femmes, elles accouchaient ou pas, hein. Des fois, elles mouraient, hein. Une fois sur deux, d'ailleurs, dans la douleur. C'est pour ça que ça leur fait du bien de gratter un petit peu maintenant. Non, mais c'est bien de repasser une couche de temps en temps. Comme ça, ça rentre doucement, et puis après, elles nous font plus chier avec ça. Bon. Bon. Et alors, mais pour revenir à mon Victor Hugo, attends, je disais, ça déconnait dans l'imagination. Je veux dire, d'entrée, il colle une injustice vraiment complète, hein, qui écœure tout le monde, d'ailleurs, sur le dos de son héros, Jean Valjean. Il lui colle 4 ans de bagne pour avoir volé un bout de pain. Hein. Bon, et il tombe en plus sur un héros qui est un peu con-con, hein, le Valjean. Hein. Bah oui, c'est le gars costaud, mais avec pas grand-chose dans le... Bah attends, qu'est-ce qu'il va pas me faire, Valjean? Il va pas essayer de s'échapper 3 fois du bagne? Finalement, avec ses conneries, il va faire 19 ans de tôle pour le même bout de pain. Toi, t'es pas malin comme garçon. Hein. Et alors, il y a un moment, quand même, il sort. Et là, grand moment d'imagination, hein, de Victor Hugo. Hein, je vous dis que les grands moments, hein, je vous raconte pas tout. Parce qu'il y a un moment, il est sorti du bagne. Et là, le Valjean, on le quitte pratiquement clodo dans les Alpes. Et on le retrouve quelques semaines plus tard, PDG d'une fabrique de bijoux fantaisie dans le Pas-de-Calais. Là, il se fait appeler Monsieur Madeleine, et en 2 coups de cuillère à peau, le v'là maire du patelin. Hein? Alors que, pareil, de nos jours, ce serait plutôt l'inverse. Hein? De nos jours, il faut d'abord devenir maire, et c'est seulement après que tu tapes dans la caisse et que tu vas en cabane. C'est l'autre chemin. Toi, mais je veux dire, même tous les personnages de Victor Hugo, ils sont vraiment fouillés, toi. C'est incroyable. Regarde, Javert, par exemple. Javert, c'est un flic intègre. Et on se demande où il va chercher tout ça, toi. Hein? Il y a des moments où on est limite de décrocher. On dit, oh là, regarde, par exemple, Marius. Marius, c'est un fils de bourgeois, hein, qui veut pas du pognon de son père. Hein? Il y en a de moins en moins aussi. Alors, il y a Fantine. Fantine, elle n'a jamais de pognon. Elle vend ses cheveux, ses dents, je sais pas ce qu'elle branle avec son pognon, mais elle n'a jamais... Vous avez vendu, vous, les... Oui, on vend plus les dents, maintenant, on vend plus que les cheveux. Et alors, ça a dû rapporter, parce qu'il y avait un paquet. C'est moi, il y avait de la surface. Alors, et donc... Non, alors, il y a qui encore? Il y a Éponine et Gavroche, son frère et sœur, c'est les enfants des Thénardier. Et alors, 200 pages plus loin, il y a un autre grand moment d'imagination, c'est le fameux moment où Jean Valjean va racheter Cosette au Thénardier, hein, parce qu'il y a un moment, Cosette, elle était martyre en leasing chez les Thénardier. Hein, et donc, le Jean Valjean, il arrive, il solde, il casque, hop, et il se tire avec la gamine. Hein. D'ailleurs, je me demande même, avec la Cosette, le Valjean, s'il n'y a pas eu... Je dis rien. Je dis seulement qu'après 19 ans de bagne, en attendant, on l'a encore jamais vu avec une gonzesse, le Valjean, hein. Et vous avez vu, c'est un sanguin, quand même, hein. C'est un costaud, c'est un gars, il a déjà dû monter le cirque Pinder 1 paire de fois, le Valjean, hein. Avec les roubignoles qui tournent autour, c'est ta 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 ta. Et alors, il y a un moment, au bout de 2000 pages, même Victor Hugo, il sait plus où il en est. Il a tellement d'imagination, c'est un bordel noir, les personnages sont éparpillés partout. Tu vois, on se dit, comment il va s'en sortir? Il a encore 5 romans sur le feu à finir. Je vous rappelle qu'il y a toujours la mère, la bonne et tout le monde. Et là, hein, tu vois, je dis, comment il va faire? Et là, coup de génie du grand maître, hein, en 2 pages, on retrouve tout le monde sur 1 barricade. 70 mètres carrés, tout le monde est là. Il n'y a pas un retardataire, rien. Tout le monde est arrivé là. Le même jour, la barricade, c'est trop drôle, je vous la fais. Sur la barricade, il y a un flic qui vient espionner. Il s'appelle Javert. Javert. Il y a un gosse qui le dénonce. Il s'appelle
bien vache. Et après, il y a Éponine, Marius, tout l'orchestre qui arrive, parce que Éponine, elle a le béguin pour Marius, mais il la niquera pas, finalement. Non, non, Marius, il est Cosette à mort, tu vois, donc il a... Je dis pas qu'il y roulera pas une gamelle au dernier moment. Sur la barricade, au moment où elle meurt, ça fait sympa, mais il la niquera pas, finalement, il la niquera pas. Et alors, à la fin, il y a les flics qui chargent, hein, là, c'est la fin du bouquin. Alors là, Jean Valjean, il est sympa, il s'occupe vraiment de tout, hein, il balaye par terre après et tout, et il sauve tout le monde, hein, il libère Javert, qui l'a fait chier toute sa vie, puis il sauve Marius après, par les égouts, tout, et puis Marius et Cosette, à la fin du bouquin, ils se retrouvent, ils se marient. D'ailleurs, le Valjean, il leur refile encore un paquet de pognon. Alors lui, le Valjean, il a gratté quoi? 2 ans dans sa vie, hein, et tout le reste du temps, vous avez vu, il file du pognon à tout le monde. Hein. Il a dû en faire, hein, du black, hein, dans le Nord, là-bas. J'aime autant dire que... Il n'y avait pas de contrôle, hein, à l'époque. Hein. Et donc, à la fin, ben, Jean Valjean, après avoir fait du bien toute sa vie à tout le monde, ben, à la fin, il meurt, finalement, abandonné de tous, hein, dans la misère la plus totale. Ouais, puceau. Parce qu'en fait, Victor Hugo, il nous le dit, hein, le pauvre vieux, le pauvre Jean Valjean, il n'aura même jamais connu l'amour. Ouais, avec une femme, et finalement, il va mourir tout seul, tu vois, enfin, abandonné. De tous. Dans la misère. Et ben tu vois, moi, quand je lis Les Misérables de Victor Hugo, je sais pas si ça vous le fait, tu vois, mais... Moi, je me demande s'il l'aurait pas inventé de toute pièce, cette histoire. Eh bien, c'est super. C'est super. Et vous avez une pêche d'enfer. Hein, je suis encore vachement content, là, ce coup-là, parce que normalement, tu sais, les étudiants, après une heure de cours comme ça, des fois, ils sont un petit peu fatigués. Tu vois? Mais alors là, dis donc, je suis même confronté à un problème. C'est que là, j'avais prévu de faire une récré, là, tout de suite. Tu vois, pour qu'on se dégourdisse un peu les jambes. Mais du coup, je me demande si on va la faire, toi. Hein? Si, on va la faire quand même. On va la faire. On va la faire pour 2 raisons. Déjà, premier truc, je pense que c'est mieux, hein, de faire 2 fois 1 heure pour le mal de fesses, hein, l'envie de pipi, fumer une petite clope, boire une petite bière, au bar. En plus, on est vachement serré. Là, pour les gros monsieur, hein, c'est pas évident. Hein, pour vous, les genoux, hein, t'es obligé de les passer un coup là, un coup tu passes de l'autre côté. Alors, des fois, t'arrives à faire ça. Alors après, il faut le ramener, le truc. Alors, tu le ramènes comme ça. Là, c'est un truc. Très serré là-haut aussi. Très serré. Donc, on va la faire une vingtaine de minutes, on va se dégourdir les gens. Puis surtout, la vraie raison, je vais vous la dire quand même, c'est que la deuxième partie, en tout cas, je vais avoir besoin de toute votre attention, hein, parce qu'elle est différente de la première, pour tout vous dire. C'est-à-dire, la première partie, là, qu'on vient de passer ensemble, 1 heure, vous avez vu, c'était très pur, très théorique, très cristallin. En revanche, la deuxième partie, si vous voulez, on va beaucoup plus s'attacher aux applications de la culture. Donc on reste dans la culture, bien sûr, hein, mais on va voir beaucoup plus les applications. Comment on se sert, par exemple, des outils merveilleux que la culture... Quoi, monsieur? Ah, vous avez ça dans la peau, hein, quand même, hein? Non. Que la culture... que les outils que la culture nous a... Non, pas comme ça, que la culture nous a donné. Vous voyez, les outils. Non, c'est vrai. Comment par rapport à la science, la technologie, tout ça, tu vois. Donc c'est vachement intéressant. Donc je vais avoir besoin de toute votre attention pour la deuxième partie. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va vous mettre un petit peu de musique classique, du Johann Strauss et du Mozart, hein, des morceaux que j'ai choisis spécialement pour vous. Hein. Alors, je vous demanderai de ne pas courir dans les couloirs. Hein? S'il vous plaît, parce que ni d'aller me tordre les porte-manteaux dans les vestiaires, ça abuse que vous. Donc on court pas dans les couloirs. Je viendrai rechercher les derniers poivrons qui traînent au bar, hein, de toute façon, comme je fais. D'habitude, ce qu'il y a, c'est que je vais organiser quand même la sortie, hein. Enrique, rallume la lumière. Je vais organiser parce que ça va être le bordel. Alors, le premier rang, levez-vous le premier rang. Allez-y, vous levez. Voilà, vous levez et vous partez en rang. Comme ça, de chaque côté. Voilà, vous partez, et puis les autres, vous pouvez partir aussi, y a pas de problème. On envoie la musique, on tire le torchon, Johann Strauss, bonne récré, à tout à l'heure.
aux chiottes, en plus. Enfin, il y a une queue aux chiottes. Ah ben voilà, ce que je voulais éviter, voilà, on est en plein dedans. Voilà, m'emboucher, hop, là, hop, tac. Voilà, voilà, donc mesdames et messieurs, on va rattaquer. Tranquillement. Merci, merci. On va rattaquer et alors, là, ils font chier tout le monde, rien. Rien, dépêche. Viens. C'est toujours ceux du milieu qui manquent, tu vois, c'est toujours rien. Alors, donc, je disais, on va attaquer, il m'en manque un aussi. Hein? Okay. Alors, ils arrivent. Ah, d'accord. Alors, on va, je disais, on va donc, Pecho, il est là. Alors, je suis allé rechercher un petit peu les gens donc, au bar, que je fais d'habitude. Et vous voyez, moi, naïvement, je m'étais dit, bah tiens, après une première partie culturelle comme ça, je m'étais dit, bah tiens, les niveaux de conversation, ça va monter d'un cran. Hein? Et puis, en fait, non, hein, pas tellement. Il y a un moment, j'ai entendu une dame qui disait à son mari, ils ont la même blouse en bleu dans le magasin en face, mais c'est du tergal. Il y a un moment, le mari disait, oui, mais pour une blouse, vaut mieux du coton. Là, j'aime autant dire, s'il y avait l'auteur des Musclés dans le coin, ça, c'est dans l'épisode de demain, tu peux pas te boire. Enfin, je leur en veux pas, ça, c'est des gens qui sont des fois un petit peu plus physiques, hein, que cérébral, mais c'est pas méchant. Mais t'es pas là, la dame, tout à l'heure. Hein? D'où tu viens, toi? Alors... Donc, non, remettez-vous où vous étiez, ça me gêne. Ah, je rigole. Et alors, donc, je disais, je leur en veux pas, ces gens-là, c'est un peu plus physique que cérébral. D'ailleurs, vous savez, les gens comme ça, qui sont plus physiques, eh ben, ils profitent aussi, à leur manière, des applications de la culture. Moi, le premier, hein, je me suis pas gêné. Regardez, moi, quand j'étudiais la culture, je lisais un peu de Platon. Après, hop, j'allais faire un saut à l'élastique. Là, j'ai fait un saut à l'élastique. J'aime bien, ça me détend, moi, le saut à l'élastique. Oui, j'en ai d'autres, hein. Et alors, et c'est vrai, j'ai fait un saut au pont de Ponsonnas, vers Grenoble. Là-bas, 120 mètres de haut, là, c'est rock'n'roll, hein. Tu montes sur le parapet et tout. Putain, il y a une fumée ici. Non, faut arrêter la machine à fumer, putain. Et alors, je disais, pour ça, j'ai 120 mètres de haut, tu montes sur le truc, mon Dieu. Là, j'ai entendu dire. Alors, et c'est marrant parce que t'as l'impression que tu pousses d'ailleurs sur tes jambes, hein, et en fait, non, tu te laisses tomber comme une merde. Hein, quand tu regardes la vidéo, tu dis, moi, je croyais que j'avais poussé, puis non, en fait. Non. Et alors, moi, en plus, ils m'ont reconnu, là, ils m'ont fait une blague. Enfin, ils m'ont fait une blague, tu vas voir le genre. C'est-à-dire, le gars, tu sais, il te tient derrière, tu sais, et il te fait 3, 2, 1, et tu sautes. Et tu débranches tout et tu sautes. Hein. Si tu réfléchis un petit peu, tu n'y vas jamais. Hein. Et Gibble qui flageole, et puis tu... Et alors, moi, au moment où je suis parti, c'est-à-dire au moment où je ne pouvais plus revenir, le gars, il m'a fait, non, attends, le mousqueton. Et moi, je suis descendu avec ça sous le bras, tu vois. C'est-à-dire, pendant 120 mètres, j'ai dit, le mousqueton, c'était à moi qui disait le... Tu vois, le genre de blague, tu vois, quand même, hein. C'est salaud, hein. C'est salaud. Et, ben, et alors, tu vois, regarde ça, par exemple, sur l'élastique, c'est des trucs ça, qu'on ne pouvait pas faire avant. Les applications de la culture, ce dont on va parler dans toute cette deuxième partie. Avant, on était obligé de regarder les champions à la jumelle, ou alors à la télévision, alors que maintenant, grâce à la technologie, on peut prendre la place des champions. Moi, j'ai fait des baptêmes de tout, hein. J'ai fait des baptêmes d'ULM, baptêmes de deltaplane, le jour même, hein, sans entraînement, avec un moniteur. J'ai même fait un baptême de chute libre. Mesdames et messieurs, 3500 mètres, 40 secondes de chute libre. Ça aussi, c'est rock'n'roll, hein. Tu te rends compte, on vit une époque, tu te pointes, tu dis « Bonjour, monsieur, je voudrais faire un saut », on dit « Pas de problème ». Donc on t'attache avec un gars, tu sais. Et alors au début, on essaye dans un avion en bois, tu sais, une maquette d'avion au sol pour voir comment on se positionne dans le bazar. Et 10 minutes après, on te monte dans un petit avion avec un gros moteur. Que ça, il te monte à 3500 mètres en deux coups de cuillère à peau. Toi, tu décompresses toutes les 5 secondes, là, comme là. T'arrives à 3500 mètres, il n'y a plus d'air. Il fait moins 2, tu vois, il meule. Tu dis, qu'est-ce que je branle là, putain? Là, t'as un gros barbu qui est accroché derrière toi, serré, toi. Tu sens son souffle chaud sur ta nuque, toi. Toi, t'as des trucs qui te passent par la tête, tu dis.
pourvu qu'il tente pas quelque chose pendant la descente. Et alors, il y a un moment qui est terrible, c'est le moment où tu pends de l'avion, tu sais, parce que le moniteur, lui, il est encore assis sur le bord de l'avion, mais toi, tu pends dans le vide, comme ça, t'attends. Et à ce moment-là, tu vois, le gros barbu derrière, tu l'aimes. Tu l'aimes. Je te jure, il a des boutons plein la gueule, tu le trouves beau, sympa, il te fait signer n'importe quoi, t'es d'accord. C'est lui qui va ouvrir le torchon, donc toi, t'as un petit peu... Et alors, il y a un moment, tu pars, hein, tu fais pas semblant, hein, tu pars, tu vois, ça fait ce bruit-là, d'ailleurs, bref, ouais. Tu pars, je mets du maquillage partout, alors, tu pars 220 km/h, tiens, comme ça, alors, au début, t'as les mains comme ça, et tout de suite après le saut, il te tape sur les épaules, et hop, tu mets tes mains comme ça. Ça, c'est un truc qu'on a décidé avant, hein, bien sûr, hein. Ah oui, tu mets pas tes mains comme ça, Non, c'est dangereux quand même, hein, comme cela. Alors, t'es comme ça, et là, t'es parti. 40 secondes. Alors là, c'est immense, hein, 40 secondes. Alors, on a du temps, tu vois. Alors, le mec, il te fait faire un tour d'un côté, hein. Hop, tu fais un tour de l'autre. On a le temps de se parler, là. Et le mec, il te fait... Ah, 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 avec un grand fil de baffe, tu sais, qui part chaque sur les lunettes, tu sais. Ouais, comme moi, charge. D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît, les moniteurs des chutes libres. Si vous voyez un gars dans la rue avec des lunettes, avec des grands fils, comme ça, vous êtes moniteur des chutes libres, vous. Moi, j'ai reconnu au fil. Et alors, il y a un moment qui est vachement important aussi, c'est le moment où il ouvre le torchon. Parce que là, rendez-vous compte. Tu passes là de 220 km/h à 30 km/h en 2 secondes 8. C'est le temps que le torchon, il s'ouvre, tu vois, chra ! Là, ça te fait un freinage, là ! Je m'attendais à celui qui a laissé une roubignole sous la sangle. Là, on entend la déflagration à plusieurs kilomètres, hein. Même du bas, hein, t'entends, poum ! Il tient encore une roubignole qui a pété. Ah bah là, tiens, les voilà, ces deux-là, hein. Là, c'est trois là même. Alors, allez. Tu sais que là, je disais, dépêche. Ça va partir, hein? Là, j'ai voulu te dire, le gars, au deuxième saut, le gars, il range, hein, après. Hein, il y a pas de feignant, il serre les cale-pieds, hein. Tu me diras qu'il n'y en a plus qu'une, c'est plus facile à positionner aussi. Et alors, il y a aussi un truc important, c'est que c'est 40 secondes, hein, faut pas trop. S'amuser avec ça, c'est-à-dire ce genre de sport, si tu t'endors un petit peu, tu fais deux sports de suite. Hein. Tu fais chute libre et spéléologie, tout de suite derrière. Faut quand même être un petit peu méfiant. Hein. Et voilà, regardez maintenant, regardez, moi qui suis là un petit peu pour vous apprendre. Hein. Regardez, moi je ferai un très bon moniteur que te gâte bien. Et par exemple, qui n'a jamais fait de scène, par exemple? Hein? Rallume la salle, Enrique, que je vois les gens. Merci. Qui n'a jamais fait de scène? Tout le monde a fait de la scène. Sauf la dame dans le fond, là. Attends, je le crois pas. Jean-Pierre, j'ai dit, je veux pas trop de professionnels en même temps. Incroyable, ils ont tous fait de la scène. Mon boucher, il a fait de la scène, par exemple. Tiens, viens avec moi, mon boucher, viens avec moi. Vas-y, pose ta veste. Viens. Vas-y, viens ici. Hop. Attends. Vas-y, va sauter. Donne-moi la main. Hop. Voilà. Bravo, on applaudit. Comment tu t'appelles? Jean-Michel. Jean-Michel. Regarde. Jean-Michel. Merde, je l'avais pas vu costaud comme ça, Jean-Michel. Pas non, il y en a un morceau, t'es pas bouché, je suis pas bouché. Non, un morceau, hein, cabine avancée et tout, voilà. Double airbag et tout, voilà. Alors, Jean-Michel va faire son baptême de scène. T'as vu, c'est génial, hein, regarde. On voit pas grand monde. Non, mais j'ai mis un peu de lumière quand même pour pouvoir faire chier les premiers rangs. On voit bien. T'es avec bien tes amis, bien, là. Oh là là. Hein, c'est bien. T'es venu avec tes parents. Non, alors, Jean-Michel va faire son baptême de scène. Alors, Jean-Michel, tu te détends complètement. Je jure, t'as rien à craindre.
En plus, j'ai déjà baptisé des centaines de personnes. Il n'y a jamais eu d'accident, donc je t'emmènerai pas dans une... Oh, bah, non, je t'emmènerai pas dans une galère, t'as vraiment rien à craindre. Jean-Michel, je vais juste te demander un petit truc. Jean-Michel, un tout petit truc, si tu le veux bien, Jean-Michel, c'est de me noter un numéro de téléphone, hein, ici, que, de quelqu'un qu'on pourrait joindre ce soir. Hein. Ça, c'est important, hein. Quelqu'un qu'on peut joindre ce soir. Hein, qui? Qui, Carole? La nounou. La nounou, ah oui, génial. Voilà, regarde, je te laisse noter le numéro pour que les gens ne fassent pas chier hein, quand on me pose sur un répondeur. Voilà, alors, 34. Ah, je déconne, Ah, du mal. Voilà, donc t'as bien articulé, Jean-Michel. Voilà, oui, belle écriture. Le ver de terre, là, c'est un 3, donc. Hein. Voilà. Là, c'est un... Hein. Voilà, donc ça, c'est à Paris, on fait pas le 16. Non. Oh, excuse-moi, je te mets une petite... Non, mais des fois, ça part, hein. Tu sais, c'est une vitesse. Alors, donc, la médaille du mérite international. Alors, donc, là, comment elle s'appelle, la nounou? Carole. Carole. Alors, Carole... Quoi, c'est sympa, Carole. Alors, on est tombé sur des Monique, des Thérèse... On est tombé sur une Fernande, il y a 3 jours. Quand j'y pense... Alors, donc, Jean-Michel, donc, on va faire ton baptême de scène, tu me donnes la main. Jean-Michel, là Jean-Michel il commence à fouetter un petit peu maintenant, il se rappelle le gros barbu de tout à l'heure, tu vois, la sangle, la roubignole, il y a tout qui revient quoi. Alors non Jean-Michel je te jure t'as rien à craindre, rien du tout. Alors Jean-Michel on va faire ton baptême, on va tirer le torchon, hein. Alors par contre là mesdames et messieurs hein, je vous demanderai vraiment, hein, Jean-Michel a eu les couilles de monter, hein, difficilement mais on y est arrivé, et il est... Donc Jean-Michel a eu les couilles de monter donc je vous demanderai un tonnerre, d'applaudissements hein, pour Jean-Michel. Attendez, attendez, au moment où le rideau va s'ouvrir, hein. Tonnerre d'applaudissements, d'accord hein? Non, je compte sur vous, hein, sérieux, hein. Ok, hein. Tonnerre d'applaudissements. Voilà, alors Jean-Michel, tu viens avec moi. Alors, Jean-Michel, tu as déjà fait des claquettes, Jean-Michel, il n'y a pas de problème. Alors, tu vas voir, il n'y a pas de problème. Pour les claquettes, il suffit que tu enfiles les chaussures qui sont là, tu vois, regarde, les belles chaussures blanches. Voilà, parlez entre vous, les autres, hein. Voilà. Et Jean-Michel, voilà, il a juste à monter là. Tu vois, voilà. Regarde, là, on est bien. Oh la vache, ça. Mets tes mains, je vais te demander. Voilà, on est prêts, mesdames et messieurs, pour le baptême de Jean-Michel. C'est parti. Combien tu pèses? 95. 95? En nouveau kilo ou en ancien? C'est en nouveau. C'est en nouveau, hein, là. Bon, alors, Jean-Michel, sale... Alors, Jean-Michel... Oui. Tu me reçois, Jean-Michel? Alors, Jean-Michel, bon, là, évidemment, tes amis se foutent un peu de ta gueule, mais c'est normal. Alors, ce qu'on va faire... Jean-Michel, c'est qu'on va faire une petite photo, parce que personne ne va te croire. Voilà, souris. Voilà. Une autre, on fait une autre. Voilà. Allez, viens, viens, maintenant. Maintenant, on va s'asseoir. Hein. Alors, maintenant, tu mets pas tes pieds. Voilà. Voilà. Reste bien en avant, hein, Jean-Michel. Hein. Sinon, on va partir tous les deux, les quatre fers en l'air. Voilà. Alors, maintenant... Ce qu'on va faire, David, tu me donnes le téléphone. Mon neveu, David, on peut l'applaudir. Merci, David. Et maintenant, Jean-Michel, on va appeler Carole. Et toi, tu vas lui expliquer que t'es sur mon dos. Ah, taisez-vous, hein, les autres. Et grand... Ah, my God. Voilà, ça sonne.
Ça sonne, c'est toi qui réponds ici. Hein, ici. Oui, oui, on va les faire, on va les faire. Carole ? Ouais ? C'est Jean-Michel, ça va ? Mm-hmm. Ouais ? On est en plein dans le spectacle, là. De quoi ? Les enfants d'or ? Ouais. Ouais ? Bon, je suis sur les épaules de Jean-Marie Bigard. Ah bah, bonjour, là, hein. Comment ? C'est bien, ça t'amuse bien, moi. Ouais, tu entends. Tu es Carole ? Ouais. Carole, c'est moi, c'est Jean-Marie Bigard, là, qui te parle. Ouais, Carole, c'est pas une connerie, hein. Carole, c'est des fois, ils disent, non, c'est pas vous, mais vous l'imitez bien, quoi. Alors, non, Carole, c'est pas une connerie. Donc, Jean-Michel, il est sur mon dos. Je te le garantis, 95 kilos en plus. Je veux te dire, Guilé, sur mon dos, on va te ramener, d'ailleurs, des photos. Alors, t'as pas dérangé, hein, les enfants, ils dorment ? Ouais, pas de problème. Bon, toi, tu dormais pas. Non. Sinon, t'es pas payé, hein, ça, je te préviens. Alors, bon, de toute façon, on rappellera toutes les 10 minutes pour être sûr, hein. Alors, on verra qui répond, hein. Alors, Carole, maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner le montant de la valise RTL? Ah, je déconne, hein, Carole, hein. Écoute, Carole, tu sais ce qu'on va faire? On s'excuse de t'avoir dérangé. C'est plutôt, on est rassuré, on sait que les enfants, ça va bien. Toute la famille, Jean-Michel, on te fait des gros bisous. Et tu sais ce qu'on va faire? On va te faire un applaudissement d'enfer de tout le public du gymnase ici. Tiens, tu prends ça, ça te fera un petit souvenir. Tu me donnes tes mains. Non, tu me donnes tes mains. Allez, salut, Carole. Salut, Carole, à tout à l'heure. Oh la vache. Voilà, j'ai cru que j'allais pas. Je m'en souvenais plus, dis donc. Et maintenant, je vais remettre Jean-Michel dans son siège directement. Voilà, Jean-Michel, c'est mon plus gros baptisé, je crois, celui-là. Tu dis au revoir, le public t'applaudit. Jean-Michel, mesdames et messieurs. Hey! Alors, salut. Merci beaucoup. C'était super. Ça restera ça. Vraiment génial, hein. Super. C'est moi la vedette, hein, quand même, hein. Bon, Jean-Michel, après, il va attraper... Alors, bon, c'était génial, Jean-Michel Carole était super aussi. Bon, alors là, tu vois, par exemple, il m'a filé une suelle, Jean-Michel. Incroyable, hein. Ma maquilleuse, elle est là, ma maquilleuse. Hein, viens, ma belle, viens. Viens, non, de l'autre côté, viens, voilà, voilà. Viens, n'aie pas peur, viens. Ma maquilleuse. Merci. C'est pour la télé, hein. C'est Jean-Michel, 95, salaud. Il m'a baissé mon pantalon, je vois ce qu'il a fait. Merci Emmanuel, merci ma belle. On l'applaudit encore Emmanuel. Alors. Bon, tu vois, là, tu sais que j'ai l'impression de voler maintenant. Alors, Jean-Michel a eu des sensations complètes de bonnes nouvelles. Hein. Et grâce à quoi, mesdames et messieurs? Et ben, grâce aux applications de la culture. Eh oui, regardez, grâce à un matériel approprié. Regardez, ça, vous en verrez pas beaucoup, des trucs comme ça. C'est bien pour les transports, pendant les grèves, par exemple. Vous allez où, à Bastille? Je vais vous emmener, là. Les portes d'Orléans, non, ça va me faire trop loin, là. Je vais prendre la petite, plutôt qu'elle là-bas. Bon, non, mais c'est vrai, un matériel approprié, ça s'était fait en résine polyester, le châssis moulé sur mon dos. Il faut l'avoir, l'oiseau, hein. Et alors, c'est encore un petit rototo, parce que... Oui, bah, trimballe-le 10 minutes, tu vas voir. Si ça revient pas, ouais. Pour digérer, il n'y a rien de mieux, hein. Tu le prends 10 minutes, mon vieux. Alors, donc, il y a résine polyester, de la mousse, du cuir. Il y a un sellier, hein, qui a mis du cuir. Tu l'as mis à GMB, même derrière. Là, il y a un petit micro HF, tout ça, c'est moderne. Un insert téléphonique, pour qu'on entende la conversation avec Carole. Et des étriers. Fabriqué par mon beau-frère. Hein? Ah, oui, mais évidemment, vous, à chaque fois qu'on vous parle science, technologie, alors vous retenez que les formules imbitables.
C'est E égale MC2, racine carrée, truc chiant. La technologie, c'est au quotidien qu'on le vit. Car regarde, en voilà une application de la culture. Ça, c'est une application qui roule, en plus. Un peu trop, même, des fois, ouais. Donc, tu vois, c'est un fly, ça, c'est là-dedans qu'on met nos affaires, quand on part en tournée. On met les enceintes là-dedans, toi. Et hop, là, le soir, moi, tu vois, j'ai vu, je fais un strike avec Jean-Claude. Tous les soirs, qui te collait contre le mur. Tu vois, ben, voilà, je voulais vous ouvrir les yeux un peu là-dessus, mesdames et messieurs. Vous dire en début, comme ça, de deuxième partie, vous dire que, ben, c'est vrai, on profite des applications de la culture, on s'en rend plus compte. Regardez, le matin, par exemple, vous vous levez. Vous arrivez dans la salle de bain, vous tournez un robinet. Eh bien, il faut savoir que derrière chaque robinet, il y a un scientifique qui travaille. Bon, allez pas démonter votre lavabo, hein, pour savoir s'il y a un gars derrière avec une barbe blanche qui prend des... Non, un scientifique a travaillé dans un laboratoire avant, pareil, pour la taille ou la forme des objets, comme la savonnette, puisque dans la salle de bain, savonnette, on prend ça comme ça, mais c'est vachement étudié de savonnette. Avec des ordinateurs et tout, ben alors. La taille, l'odeur, la couleur, la mousse. Tout. Regarde le gros savon de Marseille. Hein? Ça, c'est un savon qui a refusé la technologie. Quoi? Et il a dit, moi, je suis pas un savon de pédé. Bon, eh ben, rien, t'as vu le bordel? Encore quand il est neuf, tu peux le choper, il y a des crans. Encore, mais après, il pèse 3 tonnes. Le truc, tu te laisses tomber sur le pied, tu te bousilles un orteil. Voilà. Après, tu veux le mettre dans le porte-savon. Il est trop petit, le porte-savon. Ah, t'es obligé de le poser sur le lavabo direct. Alors là, tous les matins, faut le dégommer au marteau et au burin. Parce qu'il a fondu, tu sais, bah. Allez. Et ben voilà, il faut savoir, tout simplement, qu'il y a des scientifiques, mesdames et messieurs, qui s'occupent de nos savonnettes. Au même titre qu'il y a des technocrates, qui, eux, s'occupent de notre vie en société. Hein? Ah, si, il y a des technocrates. S'occupe de notre vie en société. Je vais vous donner un exemple toi, qui va vous intéresser. Toi, là, je vais vous montrer, c'est un truc qui s'appelle une thèse d'État. Ça, hein, c'est un truc qui a été écrit par les technocrates, hein, qui sont les gens les plus cultivés qu'on ait chez nous. Ils avaient donc leur place dans ce spectacle. Hein. Ça, c'est une thèse d'État qui concerne les spéculations dans la praxis quotidienne des automobilistes. Hein. Et déjà, vous vous laissez rebuter par le titre, là, déjà. Alors qu'il y a automobiliste dedans. Donc ça veut dire que ça concerne la bagnole. Parce que moi, j'ai fait technocrate deuxième langue, hein, donc je peux vous traduire. Hein, si vous voulez, on nous explique là-dedans comment la technostructure gère tous nos problèmes de bagnole. C'est là-dedans. Je me suis régalé à bouquiner ça aussi. À tous les problèmes de bagnole, les problèmes de stationnement dans les grandes villes, par exemple. Alors, on a tous eu ça. Devant chez moi, par exemple, moi, la rue, le stationnement était gênant. Donc, ils mettaient des PV, se disant que ça gênait la circulation. Hein. Bon, ben, les technocrates, ils ont trouvé le truc. Ils ont mis des parkmètres dans la rue. Hein. Donc, ils n'ont pas élargi la rue, hein, rien. Elle est toujours pareille. Mais le stationnement, il est plus gênant. Il est payant. D'ailleurs, ça, tu vois, faudrait le rappeler sur le PV. Faudrait l'écrire, c'est plus gênant depuis que ça nous rapporte du pognon. Sinon, les gens qui ne sont pas cultivés ne peuvent pas comprendre. Hein. Attention, ils ont bossé, ils nous ont pondu plein de lois, vachement modernes, même comme le permis à points, par exemple. Permis à points, voilà une loi qui est moderne, hein. Puis il fallait avoir une sacrée paire de couilles, hein, pour arriver à voter un truc pareil, hein. Ah bah oui, parce que ça, c'est du jamais vu, hein, mesdames et messieurs, hein. Ah bah attends, moi, je suis remonté jusqu'aux 10 commandements, hein, donc je sais de quoi je parle. C'est vrai, c'est du jamais vu. Là, ils sont arrivés à nous voter un crédit d'infraction. Ça. Ah bah oui, il faut se méfier parce que bientôt, ils vont nous faire un casier judiciaire à point. Pareil, en prévision des conneries qu'on va faire. Par exemple, un sac à main de vieille dame, 2 points. Tu piques une mobilette, 4 points. Le petit bureau de poste, 6 points. La grosse banque avec prise d'otage, 12 points. Hein. Et puis, il ferait pas mal de nous faire des ministres à point aussi. Ce serait bien, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai des idées là-dessus. Pour les ministres, par exemple, on pourrait faire, pour les pots de vin, on ferait 1 point par tranche de 100 000. Hein? On te creuse ta piscine, 2 points. Oh, c'est vrai, nous, au moins, nous, on verrait venir. Toi. Bah oui, parce qu'en ce moment, vous avez vu, ils vont direct du ministère à la prison. Nous, on savait même pas que c'était des voyous, nous. Ah, c'est hyper choquant pour les gens. Surtout, il y en a des fois, on dit, oh non, merde, on l'aimait bien, celui-là. Oh non, merde, c'est pas vrai. Hein? Avec les ministres à point, c'est vrai, on verrait venir.
Par exemple, le matin à la télé, on verra un ministre avec des menottes. Hein, on dira, ah bah, on savait, lui, il lui restait plus qu'un point. Tu vois ? Vous avez Basile. Alors bon, je ne veux pas trop cracher dans la soupe, hein, ils ont aussi fait des trucs bien, notamment le permis normal. Tu sais, qui était juste avant le permis à point. Bah, il était très bien. Si on faisait passer un. Bah oui. Ça aussi, c'est un gars qui a pris un peu de retard. Et alors. C'est vrai, on faisait passer un examen, le code et la conduite, pour savoir si tu es dangereux pour les autres. Hein? Donc, par exemple, si le gars, il sait pas faire un créneau, il sait pas démarrer en côte, ou il bouffe les lignes blanches, il crame les feux rouges, je lui dis, non! Vous, monsieur, vous aurez pas le permis. Vous êtes trop dangereux. Vous aurez que la bagnole. Vous savez, les fameuses bagnoles sans permis. C'est les petits pots de yaourt qui font chier tout le monde. Hein? Donc le gars, bah, il sait toujours pas se garer, il bouffe toujours les lignes blanches, crame les feux et tout, mais le permis, il n'aura pas le permis, toi. Alors là, moi, tu vois, au nom de l'égalité entre les citoyens, moi, j'aurais quand même bien savoir quand ce mec-là, il bouffe une ligne blanche ou qu'il crame un feu rouge, j'aurais savoir qu'est-ce qu'on lui retire à lui. Une couille? Son abonnement à Canal Plus? Moi, je suis désolé, mais moi, je qu'on y retire quelque chose, moi. Moi, il doit 2 points, moi, je qu'il les donne. S'il faut, on l'obligera à passer son permis. Et à l'avoir. Je l'emmènerai entre 2 gendarmes, tous les matins. Ils l'emmèneront à l'auto-école, de force. Puis lui souffleront par-dessus l'épaule. Non, pas cette case-là, l'autre. Non, non, en dessous. Non, plus vite, mais quel con. Les deux. Toi, ça va être pratique, hein. Déjà, quand t'es consentant, c'est pas évident, tu vois, mais alors là, on est dans la merde. Hein. Moralité, faut y couper une couille, c'est bien ce que je disais. Comme ça, ça y fait que 2 points, celui-là. À moins qu'il ait fait de la chute libre avant, hein, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Bon. Alors, mais c'est vrai, mais moi, je veux dire, par exemple, à ce moment-là, moi, j'en aurais des idées. L'idée, ce serait de supprimer le permis pour tout le monde. Ça serait moderne. Comme ça, on refilerait nos bagnoles à des robots. L'avantage, c'est que le robot, le soir, on pourrait le laisser accroché au volant. Il garderait la bagnole. Ben, ce serait un peu mieux que les alarmes à la con, hein, que les assureurs, ils nous obligent à prendre, d'ailleurs. Hein, sinon, ils n'assurent pas le véhicule. Vous savez, les alarmes qui réveillent 3000 personnes la nuit et qui se déclenchent dès qu'un passant éternue, tu sais. Avec « Ah, chut !» Hein? Tu sais, les alarmes qui cornent 15 fois 12 minutes avec un break de 4 secondes. Tu sais, le temps de changer d'oreille, tu vois, dans le plumard. Tu vois. À tel point que nous, dans l'immeuble, on finit par se dire, pourvu que ce soit un voleur, c'est le seul qui fait pas de bruit. Ah bah oui, lui, il connaît les alarmes, hein, c'est son boulot. Hein. Bah, tu sais que les bons voleurs, l'alarme, elle a pas le temps de faire « you », que la voiture, elle est déjà en vente sur un parking bulgare, tu vois. Ah bah attends, ils vont très vite en banlieue maintenant, les voleurs, hein. Ah bah pour te piquer les roues, ils vont plus vite en banlieue qu'en F1 maintenant. En 4 secondes et demie, t'as plus de route et... Ils sont rapides comme tout. Tu vois, les mobilettes, t'as pas le temps de les mettre sur la béquille. Tu dis non, là, je vais m'en occuper, je vais là... Allez, les mobilettes, c'est pire, maintenant t'as une mobilette. Tu projettes seulement d'aller en banlieue... Hein? Et ils viennent te la gauler chez toi, direct. Toi, t'es même pas obligé de te déplacer. Tu gagnes encore du temps, tu vois. Bon, ben, enfin, je vous dis, je suis quand même optimiste. Je me dis que bientôt, il n'y aura plus de permis, il n'y aura plus d'alarme, il n'y aura plus d'essence. D'ailleurs, ben oui, parce que toutes les bagnoles seront électriques. Hein? On y va tout droit. Hein? Bon, vous allez me dire, il y en a déjà, des voitures électriques. Hein? Mais il faut encore des grandes rallonges, hein, quand même. C'est pas... Puis, t'imagines, le gars, il part de Nation. Il veut aller à Opéra, par exemple. Hein. Et puis, à République, il s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose. Donc, là, il fait demi-tour. Donc, alors, après, il retourne là-bas. Et après, il faut revenir. T'imagines le paquet de fils dans Paris? Ah oui, c'est des bagnoles, c'est comme les aspirateurs. Tu sais, quand tu les ranges le soir au garage, tu vois, il y a une pédale à l'arrière pour ramener le fil. Alors, évidemment, la prise, elle est à 3 km. Alors, il y aura toujours des gars, ils vont être là, ils vont dire « Ouais, Amda !» Ils vont être là, « Amda !» Et puis « Amda !»
Capoy, ils jouent, les gens, ils jouent. Ils jouent. Toi, tu peux pas empêcher, toi. Alors, au bout d'un moment, l'autre, il a plus envie de jouer. Alors, il lâche d'un coup la prise. Alors, l'autre, au bout, il appuie comme un âne depuis une heure. D'un coup, la prise, elle déboule, flash, il apprend plein de gueule. Tu sais, c'est comme les spaghettis sur la fin, c'est flash, tu vois. C'est toujours le. Toi, qu'est-ce que. Toi, l'autre, il a la prise qui est fichée là, toi, là. Et qu'il arrive au boulot, il sait quoi, les deux trous, là. Ben, c'est l'affiche, là, qui. C'est dangereux, quoi. Plus t'imagines la taille de la bobine. Plus si le gars, il veut aller à Orléans, par exemple. Non, c'est dangereux, c'est vrai. Enfin, je vous dis, hein, je suis quand même optimiste. Je voudrais pas bousiller notre avenir à tous, hein. Bien au contraire, je me dis que bientôt, avec les bagnoles, on pourra faire même du 300, du 400 km/h. Sans risque, toi, parce qu'on sera guidé par des satellites, par des radars, toi, par des. Là, tu vois, Paris-Lille en 20 minutes, ce sera crédible, là, tout d'un coup, on pourra. Ah oui, moi je le dis, mais je dis tout le temps à ma femme, la bagnole, c'est fait pour rouler, bordel. Ma femme, elle a horreur de la vitesse, elle. Mais vraiment, hein, elle a horreur, toi, elle est même chiante, même pour ça, parce que. Si, je jure, j'adore ma femme, hein, c'est pas ça la question. Mais alors, au niveau de la vitesse, écoute. Moi, avec ma femme, par exemple, le dimanche, on se promène en bagnole. Hein? Bon, le moindre tonneau, elle gueule. Ouais, et comme ça, elle aime pas la vitesse, hein? Ça se discute pas. Hein? Mais c'est vrai, moi, je dis, la bagnole, c'est fait pour rouler, surtout la nuit. Hein? La nuit, on gagne du temps, vraiment. Ah oui, oui, c'est une étude que j'ai fait moi, ça, c'est pas les technocrates. Hein? C'est une étude que j'ai fait moi, sociologique sur la conduite la nuit, qui est intéressante, eh ben, c'est, j'ai repéré un truc, c'est que la nuit, on roule plus vite les couilles vides que les couilles pleines. Si, j'ai repéré ça au Bois de Boulogne. Ah, je te jure, hein, au Bois de Boulogne, le gars qui a encore les couilles pleines, il se traîne. Tu vois, il est là. Il va à deux à l'heure et. Ouais, il est méfiant. Voilà, je l'ai vu. Le gars, il voit une voiture en warning, hop, il recule. Il recule après, hop, il avance. Hein. Et mon vieux, dès qu'il a les couilles vides, hop, le blanc, il repart et tout. Ouais, il retrouve le chemin de la maison. Toi. C'est à ça qu'on les reconnaît, les couilles vides. Si, c'est une étude que j'ai fait moi. Mais c'est vrai, regarde, que tu roules un peu. Par exemple, t'es pas tenté de t'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre des autostoppeurs. Hein. Dangereux, ces autostoppeurs. Hein. Dis donc, tu sais pas qui t'emmène. Hein. Moi, même les animaux, je m'arrête plus. Moi, je vois une biche sur le bord de la route, je m'arrête pas, toi. Ça, c'est des coups à se retrouver avec 3 cerfs sur la banquette arrière, toi, qui étaient cachés dans le fossé, qui grimpent au dernier moment. Après, il te braque, il te réclame une tonne de foin, t'es dans la merde, après. Bon, puis les animaux, qui viennent pas se plaindre, parce que là, les technocrates, je crois qu'ils se sont bien occupés des animaux. Hein. Tu sais, regarde, par exemple, comme ils sont généreux, intelligents, c'est qu'ils ont tout de suite vu, quand on construit, par exemple, une autoroute, eh ben, malheureusement, ça coupe le territoire des animaux. Ça veut dire, par exemple, si l'animal, il mange là, toi, il est caché là, toi, il dort là, hein, et puis il va boire là, mettons. Ben, si tu mets une autoroute entre les deux, eh ben, l'animal, il crève de soif ou de faim. Hein, ben oui, ça dépend de quel côté il était. Hein, quand ils ont fermé le grillage. Ben, il y a un moment, ils ont fermé. Donc, vous voyez, il était d'un côté, forcément. Hein. Non. Ah. Même lui, il a compris. Alors, attends. Bon, et ben les technocrates, quand ils ont vu ça, ça fait ni une ni deux, ils ont dit, on va faire des petits passages souterrains, des petits tunnels, tu vois, comme ça, les animaux, ils pourront passer. Et on le voit bien, régulièrement, tous les 400 kilomètres, hop, il y a un passage. Bon, ça, il fait faire un détour à l'animal, dis donc, oh! Il va pas gueuler, en plus, hein? C'est vrai qu'ils ont pas mis les horaires de passage, ça, c'est chiant, parce que il y a des animaux qui se bouffent entre eux, tu comprends? Donc,
Ben oui, si les renards, ils passent en même temps que les lapins, par exemple, ben, ça pose à... Ouais, ben, ils ont qu'à s'arranger entre eux, les animaux. Ils ont que ça à foutre de la journée. Par exemple, ils ont qu'à se réunir l'après-midi. Ils disent, par exemple, nous, les lapins, on pourrait de 4 à 5, on pourrait passer, hein, les lapins. D'accord, les lapins. Ouais, les lapins, les lapins. Tu vois, il y a de l'ambiance, en plus. Tu vois, là. Bon, et puis de 6 à 7, ben, nous, les renards, on pourrait... Ah oui, puis il y a l'ours aussi. Oui, il y a l'ours. Il est énorme, lui. Il est énorme et... Et puis ils boivent deux fois par jour. Et, bon, ils ont qu'à s'arranger entre eux, les animaux. Hein, ils débrouillent. Je veux dire, c'est peut-être embêtant pour eux, mais pour nous, les hommes, autoroute, attends, c'est génial. Enfin, ils nous ont encore pas mis la lumière, nous, hein, sur nos autoroutes, hein, en France. Vous avez remarqué, on n'a pas dû encore assez payer. Donc ils nous ont... Il paraît que le Paris-Lyon, là, j'ai remboursé 300 fois, quoi, mais... Ils... Enfin, si, ils nous ont mis de la lumière, mais juste aux endroits où on dort. Vous avez remarqué? C'est le seul endroit où on voudrait pas de lumière. Paf! Là, ils nous en mettent... Mais sinon, dès qu'on reprend la route, hop, c'est tout noir. Voilà, là. Enfin, c'est tout noir. Si, des fois, il y en a, la lumière, mais... C'est vraiment juste un flash, quoi. C'est pas... C'est pas suffisant pour se repérer, tu vois. Tu... Ben oui. En plus, après, ils t'envoient la photo, ça te coûte encore du pognon et tout. T'avais rien demandé, t'avais pas demandé de photo, toi. Ben, en plus, t'es pris comme ça, t'es... Tu vois, t'as pioncé au volant, tu vois, la gare et tout. Non, enfin, sinon, c'est vrai que c'est quand même de toute façon mieux l'autoroute. C'est vrai que c'est automatisé. Et maintenant, avec les télécartes, t'as vu, tu passes à 30 à l'heure, la barrière elle se soulève toute seule. Et y a un truc que j'adore aussi, c'est les automates. J'ai déjà vu les automates sur l'autoroute, tu sais, avec le drapeau. Ça. Oui, c'est génial ça. Tu sais, en fait, il a un casque de chantier, toi, un gilet fluo. C'est ça, un sourire d'enfer, j'ai rien que ça. Hein? Je leur dire, c'est génial, ça. Oui, je me demande si les cantonniers, ils se font pas un peu branler par le truc. Bon, je sais pas ce qu'ils ont prévu comme taille de drapeau. Hein? Bon, là, la course est peut-être un peu grande, mais il y a sûrement moyen de régler, hein? Ah oui, ben, les gars sont dans des cabanes en tôle. Depuis des mois, en rose campagne, souvent. Bah, avouez que c'est tentant, hein. En tout cas, moi, j'y ai pensé. Et vous aussi, à partir de maintenant. Voilà. Voilà, les technocrates, je crois qu'ils n'auront pas à se plaindre. On leur a rendu un bel hommage. Hein, ils l'avaient mérité, je l'ai dit tout à l'heure. J'ajouterai même à leur bénéfice que, bah, mon vieux, quand on sait, hein, qu'il y a des gens comme ça qui s'occupent de notre vie en société avec un tel talent, hein, eh ben, moi, je dis qu'on se sent quand même plus fort, nous, pour aller à la recherche de son propre soi, par exemple. Hein? Eh ben non, rigolez pas. Eux, ils s'occupent de notre vie en société, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'aller à la recherche de son propre soi? Ah ben, attendez, je ne me suis pas cantonné, moi, à étudier les cultures typiquement... occidental. Je me suis beaucoup intéressé aux philosophies orientales, notamment, et là j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, avec ma femme, on médite depuis régulièrement, ça a changé toute notre vie, vraiment. D'ailleurs, j'ai été beaucoup aidé à propos de mes recherches là, sur les philosophies orientales. Ça, faut que je le dise, parce que ça serait pas bien de pas le dire. J'ai été beaucoup aidé parce que, bon, il se trouve que j'ai un copain qui est un ancien ninja. Enfin oui, il est beaucoup plus tortue, hein, lui, maintenant, que ninja. Hein. Mais c'est un type formidable. Toi. Et alors, je l'ai rencontré par hasard chez mon dentiste. Toi. Et alors, ninja, comment dire, déjà, les ninjas, c'est des gens qui vivent dans une autre lumière. Toi. Merci, Enrique. Hein. Par exemple, ninja, ça veut dire que mon pote, il connaît tous les secrets de l'Orient. Toi. D'ailleurs, il a passé toute son enfance à l'Orient. Hein. Ah oui. Il connaît les marins, les baraputes, les fruits de mer, tout. Il est incollable sur l'Orient. Tu vois. Et alors, tu vois, la concentration, les arts martiaux, tout, il a tout appris tout seul. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai rencontré chez mon dentiste. Hein. Oui, c'est à cause des arts martiaux. Précisément. Parce que, si tu veux, lui, il a une technique à lui. Mon pote, faut pas le faire chier. Hein. Il est le seul au monde hein, à faire ça, d'ailleurs. Il a une technique à lui. Lui, il arrête les coups de poing avec la mâchoire. Et aussitôt après, il s'allonge. Et il médite longuement. Impressionnant, hein.
D'ailleurs, en général, l'agresseur n'insiste pas. Bon, il y en a toujours qui lui filent encore deux, trois coups de pied dans le ventre, mais lui, il bouge pas d'un poil. Il est là, il est concentré. Ah ben, les sirènes de SAMU, les flics, les gens qui parlent autour, ça le dérange pas. Concentration absolue, le grand art. De toute façon, tu sais que c'est un type, il pratique encore le tir à l'arc ninja. Ben, ça, c'est important, parce que si tu veux, dans un premier temps, il faut bander l'arc. Tu vois? Et alors, après, il faut accompagner la flèche, mentalement. Hein? Ben oui, tu l'accompagnes pas comme ça. Alors, ben, sinon, la flèche, tu la prends dans ta poche et puis tu vas la piquer où tu veux. Hein? Ben oui, t'en prends même 3-4, ça t'évite les voyages et puis tu te fais un score d'enfer, tu comprends? Hein? Ben ouais. Ben, ce que je veux dire, c'est que... L'intérêt de l'arc, c'est que t'es pas obligé de te déplacer. Ben oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont inventé après des trucs plus sophistiqués, comme le pistolet. Là, tu veux mettre 5 balles dans la peau à quelqu'un, par exemple, tu te vois arriver avec les 5 balles comme ça, en disant... Bon, là, tu commences à les rentrer. C'est dur, en plus. Alors, puis l'autre, il se doute de quelque chose, il dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de me rentrer des balles, là? Tu crois que je te vois pas? Ben, je m'en dis, puis après, même des armes encore plus hautes, des obus, un obus, tu te vois arriver avec l'obus, avec la casquette sur le marché à Sarajevo, t'arrives, dis bon, je le mets où, l'obus? En plus, entre le moment où tu le lâches et puis il pète, t'as rat de barré. Toi, c'est pareil, c'est pour ça qu'ils ont inventé des trucs, hein? Bon. Alors, donc, je reviens sur mon... Donc, il faut accompagner donc, la flèche, hein, mentalement, jusqu'à la cible. Hein. Pas pratique, hein, surtout en appart. Hein. Bon, alors lui, l'arc, la flèche, remarque, il a un peu laissé tomber tout ça. Hein. Bon, je dis pas qu'il bande pas encore un peu à l'occasion, mais si tu veux, à son âge, c'est surtout les forces mentales qui ont pris le dessus, tu vois. La voyance, entre autres. Hein. C'est que c'est un type, il lit dans les cartes, hein. Mais lui, il lit pas que dans les cartes de tarot. Hein. Lui, il lit dans toutes les cartes, lui. Hein. Même les cartes routières, par exemple. Ah bah, tiens, l'autre jour, on allait à Lorient. Justement, on était sur l'autoroute. Il était à côté de moi dans la bagnole. Ça faisait un moment qu'il fixait la carte Michelin comme ça, tu vois. Tout d'un coup, il me sort... je vois la mer dans 2 heures s'il n'y a pas de bouchon au péage. Eh bah, tu me crois pas, mais 2 heures après, on voyait la mer, hein. Tiens, c'est impressionnant, hein. Et puis là, t'es bien obligé d'admettre, hein. Pareil, regarde, quand on était petit, la maîtresse, elle nous disait, tu sais, du temps des Romains, les anciens, ils lisaient l'avenir dans les entrailles de poulet. Hein. Eh ben, lui, il lit dans la tête de veau ravigote. Dès que le plat arrive sur la table, il dit, je vois qu'on va puer de la gueule pendant 2 heures. Et ça loupe jamais. Alors, le mar de café, il a laissé tomber. Hein. Il est passé au mar de Bourgogne, maintenant. C'est un petit peu plus cher, hein, mais vers la fin de la deuxième bouteille, il te fait des prédictions infaillibles. Mon vieux, quand il ferme les yeux comme ça, qu'il dit « Je crois que je vais gerber », ben, t'as intérêt à garer tes pompes. Hein. Parce que dans la seconde qui suit, c'est vérifié. Hein. Étonnant. Et alors, tu vois, j'adore ce mec-là parce que lui, tu vois, il est passionné par tout ce qui concerne la prédestination. Tu vois. Ça aussi, ça a l'air compliqué, comme ça, mais comme mon copain Ninja, il t'explique, tu comprends tout. Avec lui, ça devient limpide. À propos de la prédestination, hein, particulièrement, lui, il nous dit toujours, tu vois, la pizza que tu mangeras dans 6 mois, elle n'existe pas. C'est même pas un début de pizza. C'est même pas une idée de pizza. Puisque le gars, il sait même pas que tu vas la commander. Et pourtant, quelque part dans le monde, il y a déjà une olive qui pousse pour mettre dessus. T'as fait réfléchir, ça, hein? Parce que là, elle est là, la grande loi universelle, elle est devant toi. Tu peux pas lutter, là. Où est-ce qu'elle est, en ce moment, mon olive de ma pizza dans 6 mois? Vachement angoissant comme question. D'ailleurs, j'ai remarqué, personne n'en parle, hein, vous avez vu? Même dans les pizzerias. Hein. Alors, évidemment, j'entends les esprits forts
qui vont me dire « T'as qu'à pas en mettre d'olive, connard. » Et l'anchois, il est où l'anchois en ce moment? Il est peut-être même pas né. Mais quelque part dans un océan, il y a deux anchois qui sont en train de niquer pour faire celui de ta pizza. C'est ça la grande loi universelle. Ouais, il nous dit toujours, pour chaque pizza, il y a un anchois qui nage. Pour chaque poète, une muse. Pour chaque pare-brise, une vignette. Génial, mon copain Ninja. D'ailleurs, je suis content parce que demain, je vais le voir à l'hôpital. Oui, encore à cause des arts martiaux, oui. Mais cette fois-ci, avec une variante. Cette fois-ci, il a arrêté un coup de genou avec ses couilles. 3 jours de méditation. Bon, alors là, il parle encore pas bien à cause du tube à oxygène, hein, mais mentalement, je sens qu'il est au top. Hein. Tu parles 3 jours, ça te retape déjà un mec normal. Alors, un ninja... Alors là, toi, je voulais vous parler de mon copain Ninja. C'est pour vous dire quand même que l'être humain est vachement balèze. Hein, que tu regardes bien. Et toi, on ne pouvait pas faire un spectacle un petit peu à propos de la culture, comme ça, sans évoquer au moins une fois la plus belle machine, quand même, qui est sur Terre, l'homme. T'as. Et regarde mon copain Ninja. Eh bien, lui, c'est un exemple à suivre. T'as. Parce que lui, il est heureux. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il en a envie. T'as. Moi, c'est ça que j'ai compris en fréquentant les grands penseurs. Toi, Socrate, Platon, Freud, Leibniz. Ce que j'ai compris, moi, c'est comment on pouvait améliorer son propre karma si on en a tout simplement le goût, bordel, le goût. Moi, je vois maintenant, par rapport à ma richesse intérieure, tu vois, eh ben, je peux plus comprendre les pauvres. Ah ben, je m'excuse, mais les pauvres, ils ont une manière de vivre. Ils voudraient se pourrir l'existence et s'y pourraient pas autrement, quoi. Bah tiens, je prends un exemple tout con. Regarde, on vit quand même mieux à deux dans un loft de 600 mètres carrés à Passy, hein, qu'à 3 familles dans un 2 pièces à la Courneuve, quand même. Alors on va me dire, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, tu parles. Quand Youssouf, il vient te lever le matin en te disant, donne-moi le plumard, je fais les 3-8, hein, bah je vois pas ce qu'il y a de convivial là-dedans, hein, je m'excuse. En plus, le pauvre n'a aucun goût, hein. Aucun. Bah, d'ailleurs, tu verras jamais une toile de maître chez un pauvre. Hein. Alors qu'entre nous, un Van Gogh ou même un petit Picasso de la période bleue, hein, c'est quand même plus sympa qu'un Canva qui représente 2 cerfs oranges qui boivent dans une mare sur un coucher de soleil violet, quand même. Hein. Ben là, il n'y a rien à faire. Si c'est pas un chier partout, ça leur plaît pas. Ah bah, on croirait que c'est moche autour d'eux, ça les rassure. Ah bah, il n'y a qu'à regarder la femme du pauvre. Hein. Si elle n'a pas une robe de chambre à fleurs, avec des mules et des bigoudis plein la tête, il n'y touchera pas. D'ailleurs, tu verras jamais un pauvre avec un top modèle. Jamais. Ça l'intéresse pas. Quand on croirait que le pauvre n'a pas de goût, mais pour le confort, pour l'accueil. Quand tu vois comment on est reçu, hein, au Royal de Deauville, hein, on s'étonne pourquoi il s'acharne à aller au camping de Melun pour la même distance. Mais l'été, c'est pareil, regarde le pauvre, il va passer 15 fois devant une plage privée magnifique, avec du sable fin et tout. Eh bien, il s'arrêtera jamais pour louer un matelas à 50 balles. Il n'a pas le réflexe. Alors que pour lui et sa famille, c'est quoi? C'est un coup de 700 balles. Mais pour être bien, bordel! Alors on va me dire, c'est son budget de la semaine. Eh ben, qu'il reste qu'un seul jour. Mais qu'il soit bien. Eh ben non, il préfère être 8 jours mal qu'un jour bien. Ah, ça pour s'entasser dans le métro aux heures de pointe, alors là, il y a du monde. Mais dès qu'il s'agit de faire Paris-New York en première classe, il n'y a plus personne là, toi. Voilà l'acheté du pauvre, hein. Non, mais enfin, j'invente rien, merde. Le pauvre a découvert le 5 du mois. Alors qu'il lui suffirait d'attendre une fois 2 mois
pour avoir un mois d'avance. C'est quand même plus confortable, un mois d'avance. Hein. Puis c'est pas compliqué comme chiffre. 1, 2. D'ailleurs, il n'y a rien à faire. Alors, ce qui m'énerve le plus, c'est que le pauvre, de temps en temps, il a des lubies, toi. Il a des lubies. Toi, tu sais pas comment appeler ça, toi. Par exemple, le pauvre, il va pas manger de viande pendant 3 semaines. Par snobisme ou je sais pas quoi, toi. Au niveau de l'équilibre alimentaire, c'est n'importe quoi, tu vois. S'il tombe malade, il viendra pas se plaindre. Hein. Je veux dire, le meilleur exemple, je l'ai. Pour finir, toi, je baillais pour en parler quand je parlais du loto tout à l'heure. Hein. Regarde, le meilleur exemple, regarde, un riche gagne 800 briques au loto. Qu'est-ce qu'il fait? Il place le pognon. Bon, maintenant, un pauvre gagne 800 briques au loto. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il bouffe tout le pognon en 2 ans et après, il se suicide. C'est pour ça que moi, je dis, quand on n'a pas les moyens d'être riche, on joue pas au loto et puis c'est tout. Ouais, mesdames et messieurs, ben là, je crois que j'ai réussi mon coup, hein. Franchement, il me semble, moi, j'avais prévu donc, de vous faire un spectacle un petit peu culturel, hein, je pense qu'on l'a eu, hein. Alors, les répercussions, ben, j'imagine qu'elles seront nombreuses. Je m'attends d'ores et déjà à recevoir un raz-de-marée de reconnaissance officielle, ce qui, jusqu'à maintenant, n'était pas mon lot quotidien, faut bien le reconnaître, hein. Et je m'étais même dit, d'ailleurs, comme on a passé 2 heures superbes ensemble, on a eu un super contact, je m'étais dit, pour ceux parmi vous, peut-être, qui voudraient d'ores et déjà griffonner un peu ma biographie, hein, non, mais ne serait-ce que pour transmettre aux générations futures l'essentiel de mon message, Dieu est amour avec du latex autour, donc j'avais pensé qu'on aurait peut-être pu, pour terminer, hein, parce que là, on arrive à la fin, pour terminer ce spectacle, j'avais pensé qu'on aurait pu sereinement, tous ensemble, comme ça, regarder un petit peu les grands moments de mon existence. Alors, j'ai amené donc un petit peu de matériel, hein, pour le cas où il y aurait des étudiants dans la salle qui voudraient faire une thèse d'État sur mon parcours, hein, qu'on pourrait intituler « L'irrésistible ascension d'un blaireau » ou « Itinéraire d'un blaireau gâté ». Par exemple, donc, les grands moments, mesdames et messieurs, de mon existence. Voilà, donc tout a commencé comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est moi au camping de Melun. Ça a commencé comme ça. Et ça, c'est quand je suis arrivé à Paris. Là, j'avais des grands cheveux, j'étais méconnaissable. En plus, il caillait, pas un sou dans la poche, j'avais que ma bite et mon couteau, comme on dit. D'ailleurs, vous avez une photo du couteau, d'ailleurs. Hein, Alors, je vous demande de me faire confiance, hein, pour le... que c'est un spectacle culturel. Hein. Alors, ça, je suis très attaché à cette photo, aussi parce que ça, c'est ma toute première photo. Ça, c'est quand j'ai sorti l'appareil de la boîte. Hein, donc ça, c'est normal, on s'attache toujours un petit peu. Hein. Alors ça, c'est le point-virgule à Paris, mesdames et messieurs. Point-virgule, c'est l'endroit, tout simple, 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris, le 4e. C'est l'endroit où je suis né, artistiquement parlant. Tu vois, ce petit cabanon rouge sauvé des eaux. Vous savez qu'il y avait des centaines de cafés-théâtres à Paris, il n'y en a plus qu'une douzaine. Et je défends celui-là bec et ongle, tu vois, j'en suis le parrain, je suis bien content. Parce que, tu vois, c'est encore les seuls endroits, ça, où tu peux arriver de province, comme je l'ai fait moi, et puis démarrer sans sucer la bite à qui que ce soit et sans prendre un coup dans le cul. Non, mais c'est super important. C'est ça que je merci. C'est vrai. Et donc, alors, vous savez que j'ai toujours le record d'entrée, moi, depuis 7-8 ans. J'ai mis 192 personnes là-dedans. Donc, on les avait déshabillées, talquées, puis on les avait rangées en... Ça fait des souvenirs. Je veux pendant 4 ans et demi et tout. C'est ma famille, là-bas. Alors, bon, bah, maintenant, c'est l'endroit où on est, tous ensemble, ce soir, gymnase Maribel, chez Jacques Bertin. Tu te rends compte, tu te retrouves avec ton nom en grosses lettres rouges. Comme ça, tu vois, on dit aux gosses que le Père Noël n'existe pas. Et ben, moi, je vous jure qu'il existe parce que mon rêve, c'était de venir jouer là, dans cette salle comble, tu vois. Et puis ça s'est fait, donc c'est super génial. Et ça, c'est ma prochaine salle. Ça, alors là, on est encore un peu en pourparler, hein, d'ailleurs. Je fais refaire des travaux en ce moment parce que il y a des trucs qui ne me plaisent pas trop sur la façade. Mais normalement...
Normalement, ça devrait se faire, il y a pas de problème. Alors ça aussi, photo importante, c'est la première fois que Jean-Paul II m'a appelé. M'a téléphoné pour me dire que j'avais du talent, hein, et ça compte. Ça c'est quand il est venu chez moi, et ça c'est quand il est reparti après. Hein, ça fait des souvenirs, hein, c'est normal. Voilà, là aussi, je suis très ému, c'est quand j'ai rendu les clés, elles sont gueulées avec Claudia Schiffer, quoi. Donc, vous voyez, parce que ça, personne ne l'assume, on a vécu 20 ans ensemble avec Claudia Schiffer. Oui, elle avait 4 ans au départ, hein, donc fallait un peu jongler. Donc, si tu veux, c'est fini. Alors après, là, c'est le pognon qui commence à débouler. Tu vois, là, je suis entouré de gonzesses, je suis au terme, bonne nouvelle. C'est juste en sortant sur la gauche, le hammam qui est en sortant, là, mon copain Jacques Guetta, je lui fais un petit peu de pub. Alors là, à partir de ce moment-là, je suis reçu dans le Tout Paris. Ça, c'est un dîner chez Barclay, je me souviens que t'es super. Tu vois, ça, c'est une photo avec Mimi Mati. Que j'adore. Alors d'ailleurs, Mimi, elle est venue voir le spectacle sur des copains. Et alors, j'ai dit, j'ai fait une connerie sur toi, mais quand elle a vu ça, elle était pas pliée en deux de rire, parce que ça fait beaucoup, mais... Donc, c'était bien. Alors, après, c'est l'escalade. Ça, c'est mon 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Hein. Tout le monde s'en souvient. Ça, c'est la valise RTL. Hein, no comment. Là, ça, c'est la rue Michel Lecomte. Vous foutiez de ma gueule tout à l'heure avec ça. Et alors, ça, c'est pour faire chier David Copperfield. C'est quand il m'a repiqué Claudia Schiffer. Après, moi, j'avais un petit peu les... En gros, d'une gamine que j'avais élevée au sein, tu vois. Enfin, ça fait toujours un peu de... Alors, comme lui, il avait fait disparaître la Statue de la Liberté à New York. Tu sais, il fait disparaître des tas de trucs, même l'ambiance, des fois, il fait disparaître tout. Et donc, à coup de millions de dollars, hein, et ben, j'ai dit, je vais faire disparaître la Tour Eiffel. Alors, regardez-moi, je suis place du Trocadéro. Vous voyez le pigeon blanc qui est là, hein, moins d'observer, c'est pour prouver que la photo n'est pas truquée. Regardez bien, je vais faire disparaître la Tour Eiffel. Ah, bracadabra, hop, plus de Tour Eiffel. C'est sympa, hein. Voilà. Et moi, ça n'a pas coûté un rond. Ah oui, je peux vous le refaire à l'envers, tu vois, Tour Eiffel, vous voyez, hop, plus de Tour Eiffel. Hein? C'est tout con, fallait y penser. Alors, donc, depuis que j'ai réussi, bah, j'habite dans les quartiers chics de Paris, rue de Belleville. Là, je fais de la pub pour les commerçants de mon quartier. Bah, ça, c'est ma boulangerie, elle est fermée, hein? C'est dommage, mais... Ah bah, elle est ouverte, là, elle est ouverte, tiens. Là, elle est ouverte, tu vois. Alors ça, c'est ma cordonnerie, tu vois. Ça, c'est mon charcutier traiteur. Il est fermé aussi, mais je vous montre les horaires, si ça vous intéresse. Hein, donc, pas avant 4 heures, hein, l'après-midi. Alors ça, c'est mon marchand de jeans, Elliot. Il me vend mes jeans noirs de Seine. L'autre côté, j'ai ma cave à vin. C'est génial, donne dans ma cour. Il y a une photo de l'intérieur. En ce moment, il y a du Beaujolais nouveau, tiens, plein le machin. Il y a un petit pinot qui est bien sur la deuxième étagère aussi. Et ça, mesdames et messieurs, c'est Jean-Michel. Jean-Michel! Ouais! Jean-Michel! 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 Ouais. Ouais. Ah. Ouais, ça va, reviens. Ouais. Ouais. J'aime pas trop ça, hein? Alors Jean-Michel, qui s'éteint, la photo est un petit peu sombre, je vais expliquer pourquoi. C'est que là, c'est les applications encore de la culture. Tout le monde se dit comment ils ont fait ça. Vous avez vu, mon neveu, David, il a un Polaroid diapo. Hein, c'est-à-dire qu'on peut développer maintenant en une minute un film, faire un négatif et le projeter. Si on met un petit châssis, on fait une diapo et on le projette dans une photo qui a eu lieu il y a trois quarts d'heure. Voilà, donc Jean-Michel, comme ça, il pourra montrer la photo à Carole, la nounou. Tiens, ça, c'est mon Jean-Louis Cap, mesdames et messieurs, réalisateur de ce soir. Mon Jean-Louis Cap, le meilleur des réalisateurs du monde, qui est dans le quart. Là, il vous entend, il est dans le quart de régie et il vous entend. Ça, c'est mon pote. Alors, ça, c'est le gymnase, la salle vide, quand vous serez parti dans quelques instants. Hein. Ça, c'est votre voiture, un peu plus loin. Donc, ça allume pas mal hein, dans le quartier, tu vois. Et alors, ça, c'est l'équipe technique. Il y a mon neveu David, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Là, il y a Patrick, il y a Enrique. Là-bas, il y a la régie lumière, le chef de plateau, c'est Jean-Claude. Il y a mon beau-frère Jean-Pierre, ma sœur Anne-Marie, qui est à la poursuite, mesdames et messieurs, l'équipe technique du théâtre. Ouais. Merci beaucoup.
Et ça, mesdames et messieurs, ben ça, c'est la photo de 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 la photo. Et il reste encore une diapo dans l'appareil. Pour ceux qui aiment les mots croisés, c'est un mot de 3 lettres. Ça commence par un F, ça finit par un N. C'est la fin. Et voilà le travail. Bon, alors, rappel. Si, il y a un rappel, hein, tout le temps. Hein. Quand les gens sont bien, donc il y a un rappel. Alors, donc, rappel, j'avais pensé... On rappelle qu'on aurait pu parler un peu de Rossini. Hein, je voulais parler de musique classique, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'un spectacle culturel. Enfin, si, un peu à l'entrée, je dis Johann Strauss. Et du Mozart, après. Donc, Johann Strauss, le fils Strauss. Hein, parce que vous savez que le père Strauss était musicien. Il ne voulait pas que Johann y joue. Hein. Ah ben, il voyait Johann avec un instrument, il lui claquait le... Excusez-moi, il avait les jetons entre générations, il se bouffait la vedette. Hein. Et c'était dangereux. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Avant de devenir ce qu'il est devenu, hein, Johann Strauss, entre-temps, il a piqué l'orchestre à son père, tout le monde s'en branle hein, de ça. Hein. Bon, alors, donc moi j'avais pensé, donc on pourrait parler de Rossini pour finir en apothéose ce spectacle. Hein. Alors bon, il n'y a pas d'orchestre, hein, parce que les orchestres c'est 60 musiciens, 80 pour être bien, hein, les premiers violons, les deuxièmes violons, à moins de prendre des Russes à 100 francs par jour, tu vois, sans protection sociale, toi c'était pas. C'était pas évident, hein. Donc comme j'avais la partition, ben, je dis je vais vous la faire à la main, hein, que ce sera aussi bien. Hein. Donc Rossini, hein, pour finir en apothéose sur ce spectacle. Hein. Ok, donc je mets un peu de silence. Merci d'avoir. Ah, ah. Si ça va aller. Toujours la voix un peu niquée quand c'est en fin de semaine. Alors, je vais. Rossini. Un petit peu. Vous pouvez la tenir peut-être 3 secondes, hein, le temps que je démarre, puis vous la relâchez après, qu'elle ne nous pète pas non plus dans les pattes. Ok, j'y vais. Okay. Ça peut durer des heures, hein, je m'en fous. Il n'y a plus de métro de toute façon, donc. On va vous garder pour demain, d'ailleurs, hein. C'est vrai, comme il y a des problèmes, là, de transport, on va garder ceux-là, hein. Vous serez gentils de repayer. C'est super. C'est vrai. Alors, non, Rossini, j'y vais de toute façon, OK. Ta-da-da-da-ta-ta. Rien de spécial. Ta-da-da-da-ta-ta. Et c'est la même phrase, hein. Il n'y a que la dernière note qui change un petit peu, hein. Hein. On finit pas son truc, hein. C'est encore pareil que... Ça fait pas chier, hein. C'est eux, leur partie. Il est un peu calmé là.
Vous entendez? Attendez, bougez pas, j'ai une idée, je reviens. Bougez pas, je reviens.